Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous regardez le spot en direct du Snowpark des Arcs pour les championnats de France de ski billard. Très heureuse de vous retrouver, très heureuse de retrouver mon partenaire de live, Greg Tournon. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Bonne année, très heureux d'être ici avec vous. On a un temps magnifique, on a un super big air qui se prépare. C'est les championnats de France International Open, les Arcs Launchpad exactement. Un très très beau programme aujourd'hui avec un pré-show, puis la compétition en direct. Et attention, je serai bien accompagné, on va en parler. Très très bien accompagné avec Marie Martineau. Oui, alors on la présente plus, si on la présente encore quand même. Double vice-championne olympique donc en freestyle, en pipe, et une voisine hein, de la plaine juste à côté des arcs. Donc très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui et que tu viennes commenter cette très belle compétition, ce qui est une exclusivité sur Trek. Ben oui, donc super. Déjà, merci à Trek de venir suivre des compétitions nationales. C'est super, c'est bien pour notre sport et il a besoin de visibilité. Donc, big up pour Trek. Et puis, merci Laurent de m'avoir contacté. Je suis très contente d'avoir traversé la petite vallée qui nous sépare et d'être là aujourd'hui. On va être au régal aujourd'hui. À tes côtés, Éric Chevalier, le directeur de l'Office du tourisme de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Bonjour, très heureux d'accueillir ce championnat de France, qui est une grande première pour les arcs. On va reparler bien sûr de ces championnats de France et du domaine des arcs, un domaine incroyable. On a aussi avec nous les organisateurs de cet événement, Laurent Niol et Xavier Trouba de la Free Ski Academy. Des légendes du ski, on va dire. Des légendes du ski, une vraie institution pour les nouvelles disciplines, le freestyle mais aussi le freeride. On va en parler, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on regarde quelques images de ces championnats de France de ski bigger. Voilà donc sur le plateau du spot en direct des Arcs pour les championnats de France de ski big air. Éric Chevalier, les Arcs, une station pionnière dans de nombreux domaines, mais notamment sur les nouvelles pratiques, les nouvelles disciplines. Quel est votre positionnement ? En fait, dès la création de notre station, elle a été perfusée à toutes ces nouvelles glisses. Beaucoup se souviennent, alors peut-être pas les plus jeunes, mais des célèbres Apocalypse Snow. Qui ont été créés dans les années 80, hein, qui ont été mythiques, qui pour beaucoup d'entre nous ont mis sur des planches monoski, certains également snowboard, etc. Mais en tout cas qui nous ont fait rêver dans des images absolument incroyables de sauts, de poudreuses. Et donc ça a vraiment donné un élan à notre station des Arcs, qui 50 ans plus tard, vu que les Arcs a fêté ses 50 ans l'année dernière, eh bien perdure. Alors vraiment l'ADN des Arcs à l'origine était plus tourné vers le freeride, avec de nombreuses compétitions qui ont été créées, qui ont été accueillies sur les arcs. Et puis sur le freestyle, plus récemment, il y a environ une dizaine d'années, il y a eu des événements marquants qui nous ont amenés sur ce sport extraordinaire. C'était essentiel d'avoir ces championnats de France ici aux arcs. Oui, absolument, parce qu'en 2014, Laurent et Xavier ont créé les Arcs Free Ski Academy. Parce qu'ils se sont rendus compte que dans les filières un petit peu classiques, les jeunes qui voulaient s'éclater, un petit sortir des sentiers battus, ne trouvaient pas encore chaussures à leurs pieds. Et donc ils ont créé cette belle structure qui accueille aujourd'hui 60 jeunes de 8 à 20 ans. Et l'année dernière, nous avions eu la chance d'avoir un champion du monde de ski freestyle de moins de 16 ans. Freeride, pardon. Max Palm, merci Laurent. Max Palm, donc il y a vraiment de la graine de champion aux arcs et on est à fond derrière cette section. Une station très dynamique avec la Free Ski Academy notamment. Et comme vous le disiez, des grands événements. Vous avez parlé de la... Il y a la Freeride des arcs, il y a eu le Red Bull Line Catcher, il y a eu le BNI. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous aussi? Qu'est-ce que vous voulez montrer au public et aux touristes en proposant des événements d'envergure internationale? Ben c'est vrai qu'on est très attractif de par notre domaine skiable qui a autant de variétés, mais il faut qu'on affirme notre positionnement et notre ADN, notre image pour nos visiteurs, pour qu'ils sachent ce qu'ils vont trouver aux arcs. Alors évidemment, il y a du ski pour tous, du ski pour les familles, mais pas que. Il y en a aussi pour tous ces jeunes qui ont vraiment envie de voler, hein, parce que c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est absolument spectaculaire.
On se demande comment c'est possible. Ils repoussent les limites en permanence. Et aux arcs, eh bien, on s'associe depuis toujours à cette image et à ces sensations. On va parler un peu de la frisky, cette on va dire entité qui est hors norme, qui est extraordinaire, qui n'existe qu'ici. Freeride, freestyle, on emmène des jeunes au plus haut niveau. Oui, c'est ça. En fait, au début, avec Xavier, on s'est posé la question de pourquoi, avec un réservoir de jeunes dans la vallée de Bourg-Saint-Maurice, les arcs et aux alentours, pourquoi il n'y avait pas ce genre de structure où on pouvait accueillir des jeunes et les entraîner toute l'année, sur le domaine skiable des arcs surtout. Et il y avait une vraie demande aussi. Et c'est parti comme ça, hein, d'un clap. Et hop, il y a eu plusieurs jeunes qui se sont greffés à nous. C'était une toute petite structure au début, il y a 6 ans en arrière. Et aujourd'hui, on est dans le haut niveau. On est dans un entraînement qualitatif. Et c'est du bonheur parce qu'on a des jeunes de 8 à 20 ans, comme disait Eric, qui sont très dynamiques et nous, ça nous booste à fond. Et aujourd'hui, tout ça explose et on sort sur la vague. C'est top. C'est pour les emmener où, ces jeunes ? C'est pour les emmener le plus loin possible suivant leur ambition. Donc l'idée principale, c'est sûr que c'est l'accès au haut niveau, aussi bien dans le freeride que dans le freestyle, parce que tous les coachs, ce sont des anciens athlètes de haut niveau qui ont performé à haut niveau dans ces disciplines-là. Donc aujourd'hui, dans différents groupes qu'on a, nous, à la Frisky Academy, nous avons des vrais référents coachs qui donnent leur expérience, qui donnent leur vécu. Et aujourd'hui, ça véhicule quelque chose de très fort parce que les jeunes, ils sont à l'écoute. C'est pour les jeunes des Arcs et de la Vallée. Est-ce qu'il y a une sélection pour entrer dans la Frisky Academy, que ce soit dans la section freestyle ou freeride ? Oui, tout à fait. Il y a une sélection. Donc, d'ailleurs, bonne année à tous déjà pour commencer. Et merci de nous accueillir sur votre antenne. Et oui, il y a une sélection au mois d'avril pour les jeunes à partir de 8 ans. Et on sélectionne surtout sur la motivation. On n'est pas très sélectif sur le niveau. Parce que Eric, tu parlais tout à l'heure, tu disais comment c'est possible. C'est possible par beaucoup de motivation au départ. Et puis après, un entraînement rigoureux en n'oubliant pas la partie plaisir. Donc c'est un peu ces trois facteurs qui permettent aux jeunes aujourd'hui de performer, de scorer et d'arriver sur des niveaux nationaux, internationaux comme aujourd'hui. C'est des choses que vous auriez aimé avoir, vous, quand vous étiez jeune ? Oui, alors le sport a évolué. Nous, quand on était jeunes, on se débrouillait tout seul. On était des riders indépendants. Notamment toi en freeride. Voilà. Et on était plus pris en charge par des team managers et par des marques. Et après, on était un groupe de potes et on s'entraînait comme ça. Et aujourd'hui, le sport, il a vraiment évolué au niveau du niveau, vers le haut, au niveau de la préparation. Et faut dire que là, en freeride, c'est du très très haut niveau et on a besoin d'avoir une préparation à l'année, une préparation mentale. Et le fait qu'il y ait cette structure de la Frisky Academy, ils évoluent en groupe et cette dynamique de groupe les aide à être meilleurs. On croit que c'est un sport individuel, mais c'est vraiment un sport d'équipe. Si vous voulez avoir une idée de l'ambiance de la Frisky Academy, je vous encourage à aller voir les vidéos de la Frisky Academy. Ça donne un bon aperçu. Voilà, c'est un travail de groupe festif et convivial, mais aussi très très sérieux puisqu'on parle de haut niveau. Alors, parlons un peu de la compétition. Ce launchpad, ce big air qui est derrière nous, ces tables, ça ressemble à quoi ? Alors, ça ressemble à quoi ? C'est vrai que c'est des modules qui sont assez impressionnants. Il faut faire une préforme l'été pour pouvoir les fabriquer après en neige l'hiver, pour avoir moins de neige à fabriquer. Et ensuite, c'est un saut qui représente environ une vingtaine de mètres de long, 20 à 25 mètres de long. Et on peut monter entre 4 et 6 mètres de haut, ce qui donne un airtime assez impressionnant important. Et important, et pour permettre de faire des figures compliquées avec plusieurs grabs. Mais je pense que Marie en parlera après pendant beaucoup le... Beaucoup pour parler avec Marie. Laurent, pourquoi faire cette compétition ici sur le snowpark et pas sur un front de neige par exemple ? Aujourd'hui, en fait, le snowpark s'y porte très bien. Sur le front de neige, il y a un peu plus de complexité au niveau logistique. Surtout sur des périodes de vacances. Et puis le fait d'avoir une préforme en terre, comme expliquait Xavier, avant que la neige arrive dans nos stations. C'est une vraie volonté. C'est une volonté sur le durable, sur l'écologie, sur tout ça. Parce que c'est des mètres cubes de neige autrement pour faire un hall. Et là, c'est de la terre avec 20 cm de neige dessus. Donc dès le début d'hiver, on peut avoir une bosse prête
pour accueillir des championnats de France, pour accueillir des compétitions, pour accueillir des athlètes qui veulent venir s'entraîner. Et aujourd'hui, ben, la bosse, elle est prête et elle sera prête jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'à la fermeture de la station. Donc des jeunes vont venir de différentes stations s'entraîner aujourd'hui aux arcs parce que dans les autres stations, ben, ils ne sont pas prêts. Et nous, là, aujourd'hui, on a cette chance-là, donc ça, c'est top. C'est aussi positionné, pardon Mathilde, les arcs comme référent dans le ski freestyle. Oui, bien sûr. Depuis le début, comme expliquait Eric, les arcs, pour moi, je peux l'identifier comme une station qui est précurseur de nouvelles glisses depuis le début, depuis les années 80. Et nous, avec Xavier, on ne veut pas lâcher ça parce que les jeunes sont demandeurs et il faut surfer avec eux et puis être dans la bonne dynamique. Et vous le montrez aujourd'hui avec ce très bel événement, ces championnats de France de Big Air. Je rappelle que le Big Air sera une discipline olympique. En 2022. Oui. Donc, et des enjeux aussi sur ces championnats de France, puisqu'il y a des points qualificatifs FIS pour la prochaine Coupe du Monde à Font-Romeu, si c'est bien compris. Oui, c'est ça. Compris. En fait, aujourd'hui, les championnats de France sont accessibles à tous les riders internationaux. Donc, en fait, c'est une compétition internationale au niveau du classement, au niveau des points. Donc, les Français qui sont là et qui vont marquer des points sur les premières places pourront se fricoter avec l'équipe de France de ski Big Air, de ski freestyle. Donc, il y a des places qui sont ouvertes pour la Coupe du Monde le week-end prochain à Font-Romeu. Alors, hier, ils étaient 60 en qualif. Oui, il y avait 70 participants, il y avait une dizaine de filles, des minimes. Et puis une bonne cinquantaine de seniors et de juniors. Donc ouais, un beau plateau. En tout cas, un gros niveau sur les qualifications. C'était impressionnant. On a pris du plaisir. On va regarder quelques images des qualifications d'hier. On regarde ça tout de suite. Voilà, c'était les qualifications remportées hier par Tess Ledeux chez les filles et Axel Le Palab chez les hommes. Comment ça s'est passé, ces qualifications ? Alors, les qualifications sont très bien passées. Il y avait des très, très bonnes conditions météo, ce qui permet aux riders d'avoir une bonne visibilité et de lancer des tricks, leurs meilleurs tricks. Donc, je pense qu'ils en ont quand même gardé un petit peu sous le pied. Ça se passait comment ? Il y avait deux tricks et c'était au best trick, c'est ça ? Voilà, donc deux runs et ils prennent le meilleur des deux runs, exactement. Donc c'est comme ça, donc ils peuvent faire deux fois le même s'ils veulent. Par contre, aujourd'hui, il y aura trois runs et ils prendront les deux meilleurs runs, donc il faudra faire deux tricks différents. Au niveau du jugement, des critères de notation, qu'est-ce que les juges vont regarder sur l'exécution des tricks ? Alors, il y a un critère qui est important, c'est l'amplitude. C'est-à-dire que si on utilise bien le saut et qu'on a un gros airtime, le deuxième critère, c'est la difficulté du tricks, donc la difficulté technique, le nombre de tours. Et le troisième critère, ce n'est pas dans l'ordre décroissant, les trois critères sont équivalents, c'est le style. Dans freestyle, il y a style, et donc c'est comment on vient attraper les skis, quel grab on va mettre. Et aujourd'hui, avec des airtime plus gros, on arrive à mettre plusieurs grabs dans le même trick. Eric, on attend quoi de ce spectacle-là ? Parce que c'est un vrai show. Au-delà d'une compétition nationale, c'est un vrai show. Ah oui, complètement. Et c'est vraiment ce qu'on adore aux arcs. C'est quelque chose qui va nous donner la chair de poule, je pense, sur certains runs.
Voilà, ça va vraiment être un spectacle extraordinaire. La compétition se prépare. La compétition se prépare, les premiers riders sont prêts. Merci à vous quatre. Marie, tu restes avec nous pour commenter le spectacle. Merci Laurent, merci Xavier. Je pense que vous avez beaucoup à faire sur cette compétition. Merci pour ce bel événement. Merci Eric pour votre présence en plateau. On se retrouve tout à l'heure avec le maire des Arcs Bourg-Saint-Maurice, Michel Giraudy. On retrouvera aussi Frédéric Charlot, le directeur du domaine skiable des Arcs, pour continuer à parler du freestyle et du freeride aux Arcs et de cette très belle station. Et on se retrouvera aussi en fin d'émission, après la compétition, avec les vainqueurs et Jules Bonner, le directeur de course de cet événement. Greg, je te laisse avec Marie. Ouais. Marie, on va se mettre en pour mode course. Commenter ce beau spectacle des championnats de France. On va voir la start. À tout à l'heure, Greg. À tout à l'heure. Merci. Merci à toi. Allez, bonne heure. Allez, bonne heure. Donc avec les filles qui vont démarrer cette compétition. On rappelle qu'il y a les filles, ensuite les minimes et les garçons qui seront derrière. Et donc du très beau plateau, parce que parmi ces filles, il y en a quatre, et notamment Tess Le Deux, qu'il va falloir surveiller de très près. Marie, rebonjour, très heureux que tu sois avec moi. Oui, salut, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour commenter cette course championnat de France qui, même si elle est très tôt dans la saison, devrait laisser place à un spectacle de jeunes gens et jeunes filles qui sont hyper entraînés, puisque maintenant on s'entraîne toute l'année. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est tôt dans la saison que le niveau sera pas dingue. Alors parle-nous un peu de ces big air. Il y a deux tables, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Alors, on choisit la table qui correspond le plus à son niveau. Donc je pense que pour les minimes, ça va sauter plutôt sur la plus petite table qui fait 14 mètres de long, qui est déjà un beau big air. Hein. Et puis pour les filles et les garçons qui sont un peu plus expérimentés, on sera sur la grosse table qui, elle, fait 18 mètres de long. Alors 18 mètres, c'est vraiment juste entre la sortie du saut et le début de la réception. Sauf que vous allez bien vous en rendre compte assez vite, les riders viennent reposer leur saut bien plus bas que ces 18 mètres. Et la stratégie, ils ont donc trois runs, trois sauts à effectuer. Oui. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Moi, je pense qu'en premier, on essaye d'assurer la figure qu'on connaît le mieux, qu'on maîtrise le mieux, pour pouvoir marquer les points nécessaires, à s'accorder un peu de répit et se dire « Ok, sur la deuxième figure que peut-être je maîtrise un peu moins, il me reste deux essais. » Voilà, c'est l'idée de se mettre à l'abri. Et le premier run, c'est un peu toujours le run pour verrouiller, quoi. C'est le coach qui indique aux riders ce qu'il va faire, ou c'est une discussion, c'est... Eh ben, je te dirais que c'est une entente. En général, c'est une entente et très souvent, on est d'accord. Le coach est d'accord avec nous et nous, on est d'accord avec le coach, parce que c'est la suite logique de l'entraînement du quotidien, de l'entraînement de la matinée, parce qu'on peut le rappeler, ils se sont tous entraînés ce matin sur le saut. Donc, en général, c'est conjoint. Qu'est-ce qui va faire que le airtime soit suffisamment long, que l'amplitude soit suffisamment belle? La météo joue? Alors oui, la météo joue, parce que là, pour le plus aujourd'hui, c'est conditions exceptionnelles, donc on a une visibilité parfaite, il n'y a pas de vent, donc aucun grain de sable qui peut venir un peu modifier la machine. Et puis après, ce qui va jouer, ça va être la vitesse qu'on va prendre dans les longs, on appelle ça aussi l'in-run, donc la vitesse qu'on va pouvoir prendre, il faut toujours la maîtriser, c'est-à-dire que trop de vitesse va changer complètement les choses et c'est pas bon non plus. Donc ces riders sont habitués à vraiment se faire une idée précise de leur vitesse. Et puis la sortie du saut, le take-off, où là il va falloir bien s'appliquer pour avoir une belle poussée et avoir une belle, ce qu'on appelle parabole, c'est-à-dire une belle montée dans les airs pour avoir le temps de faire sa figure et de la faire jolie. Et on va bientôt avoir la première rideuse au départ, c'est Jade Michaud. Vous êtes en direct sur Trek, profitez-en. Et vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube, TV Ready pour la première rideuse. Elles seront quatre filles à partir avec Jade Michaud de la Clusaz. Et c'est parti. Et Jade Michaud qui n'est autre que la fille de Sébastien Michaud, un grand champion de freeride de la Clusaz. Voilà, avec le corps de 720. Parfaitement réalisé, avec un joli tail grab. Elle a donc réalisé un très beau saut. Jade, elle va pouvoir se mettre
donc un petit peu au repos. Oui, alors à 720, on va expliquer un petit peu. Donc le cork, c'est un axe de rotation. Donc on voit qu'elle ne tourne pas vraiment droite, mais qu'elle désaxe sa rotation un petit peu en arrière. 720, c'est 2 fois 360 degrés, donc 2 tours. Donc elle arrive face au saut, elle fait 2 tours et elle repose dans l'axe de la réception. Qu'est-ce qui, toi, t'excitait quand tu étais dans le pipe, ou qu'est-ce qui t'excitait encore quand tu prends des sauts? La chose la plus géniale, c'est qu'au départ, tu es assez stressé. Il y a toujours un petit peu d'adrénaline, un ressenti où on n'est pas très, très, très serein. À part quand vraiment on devient hyper fort mentalement. Et finalement, quand tu as fini de poser ton saut ou fait ton run et que ça s'est bien passé, tu passes de cet état d'un peu d'anxiété à vraiment l'excitation totale et la joie. C'est l'ascenseur émotionnel. Et voilà, il y a un 70 pour Jeanne Michaud. Bonne note. Oui, alors les juges vont avoir un petit peu d'amplitude pour que les notes ne se grimpent pas dessus. Donc voilà, c'est une note moyenne qui laisse la place à quand même de bien meilleurs scores. Et c'est parti pour la deuxième fille, c'est Lou Barin de Valto. Alors Lou, elle part sur la grosse table et elle part en switch, c'est-à-dire en arrière. Et elle fait un switch 900, très bien réalisé, c'est-à-dire elle a fait 2,5 tours sur elle-même, sur la grosse table. On rappelle que Lou est championne de France en titre de Big Air, l'an dernier. Alors, titre à défendre. Titre à défendre pour Lou. Là, pareil, belle réalisation. Pour l'instant, ça pose propre. Oui, ça pose propre. Il m'a semblé qu'elle tenait son grab correctement. Donc, ça va faire un petit peu plus de points. Là, on va plus monter autour des 80. Le score donc sur 100. Et à la fin, les juges garderont les deux meilleurs runs. Exactement. Et je pense que les riders doivent proposer 2 sauts différents. Ça fait partie du cahier des charges. 74,3 pour Lou Barin. Ok. Donc qui, pour l'instant, fait mieux que Jade. Avec la troisième au départ, qui est de La Clusa, Ivana Marmillot-Blondin. Eh oui, La Clusa, qui est un fief du ski freestyle en France. On a tous en tête les Candide Tovex. Oh là, il y a énorme cork 720. Avec une récepte qui n'est pas tout à fait alors, propre. Voilà, ça va lui jouer des tours. Les juges ne lui mettront pas beaucoup de points. Par contre, on voit que l'amplitude et le airtime, le temps qu'elle passe en l'air, étaient vraiment engagés. C'est à refaire, mais on était bien partis. Et Ivana, qui avait terminé 3e de ce Big Air des Arcs, de ce championnat de France il y a quelques mois, parce que les deux championnats de France se succèdent assez rapidement. C'est vrai qu'on est très tôt dans la saison, mais on a la chance d'avoir un très très beau soleil en direct sur Trek. 49,3, voilà, sanctionné pour la réception. Oui, c'est assez rédhibitoire. Des fois, ça peut apparaître fou parce qu'on a des très très belles figures et puis le rider pose juste une main et on a l'impression, comme ça en tant que novice, que ça change pas la beauté de la figure alors que ça change tout. Difficile ces sports à jugement quand même. Terrible, terrible, mais il y a des codes que l'on connaît très bien dans le milieu, quoi. Alors Tesla, elle part en switch. Tesla 2 de La Plagne, c'est chez toi. Oui, exactement. Et elle vient de faire un switch 1080, donc 3 tours. C'est pour l'instant la figure la plus technique qu'on a vue chez les filles. Donc voilà, elle part en arrière, elle fait 3 tours, elle repose en arrière. C'était parfaitement réalisé. Tesla 2 qui est quand même championne du monde. Donc oui, gros deux niveau. Fois. Voilà, deux fois. Championne du monde. Elle vient de gagner les X Games à Oslo il y a quelques mois en arrière. C'est un phénomène, quoi. C'est une gamine que j'ai connue à 6 ans et qui était déjà. Combien fait-elle ? 86,7, on m'annonce. Elle est largement devant pour ce premier run. Et les filles donc sont toutes passées. Elles étaient 4 et on va voir maintenant 4 kids regarder. 4 kids avec notamment 2 garçons, 2 jeunes garçons des deux Alpes. C'est des minots, ces petits minimes qui ont en gros, on va dire, si on calcule bien, 13-14 ans. Et qui partent que pour le premier, c'est Mathis Rottier de Morzine Avoria. Il a 14 ans, c'est sa deuxième année chez les minimes. On va le voir au départ, soutenu par le ski club de Morzine Avoria. Et surtout, c'est sa première grosse finale en compète nationale. Alors, il est parti en switch, donc en arrière sur le plus petit Big Air. Et il est parti sur un switch 540, donc 1,5 tours qui le permet de reposer dans l'axe. C'était un petit peu en arrière, donc on n'a pas pu vraiment voir le grab. Je pense qu'il peut faire mieux.
notre petit jeune d'Avoria. Il y a une vraie jeune génération qui pousse. Oui, tu, très tu clairement. Tu les as vus derrière toi. Oui, très clairement, ça c'est génial. C'est génial parce que comme on le disait tout à l'heure en plateau, c'est une discipline qui va devenir olympique. Hein. Donc voilà, plus on a de viviers et plus on aura de chances de présenter des athlètes français compétitifs avec les Américains, les Canadiens. Au niveau national, international, on se positionne comment ? On a deux grands champions, on a Tess Ledeux et Antoine Adélis qui sont vraiment qui topent le haut de la scène. Hein. Voilà, donc c'est déjà assez extraordinaire. Après, c'est sûr qu'on aimerait en avoir plus, mais je crois que c'est en train de se produire. Et un 57 pour Mathis Rottier et en préparation un garçon de la Plagne, Romaric Crétier. Sur la petite bosse également. Comme tu l'avais annoncé, les plus jeunes sont sur la petite bosse. Oui, il me semblait, elle est déjà bien grosse. Alors, il est parti en switch, donc en arrière. Et il fait un switch rodéo. Plutôt bien posé. C'était plutôt pas mal, ouais, c'était nickel. Bien en avant, et puis il a pris de l'amplitude parce qu'il a quand même posé sur le deuxième trait dans la réception. En tout cas, il a l'air très content. À quoi servent ces traits dans la réception ? Elles aident les juges à se rendre compte de l'amplitude, même si, bon, avec les années et l'expérience, ils savent bien. Mais même pour le public, c'est quand même plus sympa. Et puis, elles servent aussi, quand il n'y a pas une visibilité aussi géniale qu'aujourd'hui, elles servent à différencier le ciel plutôt blanc, quand il y a un peu de brouillard, de la neige blanche qui devient un peu bleue. Et du coup, ça permet d'avoir plus de repères pour les riders. Et un 73 donc pour Romaric Crétier de La Plagne. Donc on a eu deux jeunes garçons qui sont passés parmi les minimes. On rappelle que les filles étaient tout à l'heure et c'est parti maintenant pour Alexandre Goumachian. Ah, qui lui a décidé de partir sur la grosse table avec un Cork 720, avec un safety grab. C'était pas mal. Il a l'air content. Je ne sais pas comment les juges vont s'y prendre du coup pour différencier la prise de risque au niveau du choix du kicker. Alexandre Goumachian, il a 13 ans et il commence à envoyer, comme disaient ses entraîneurs. Hein. Il est souvent sur les podiums des critériums jeunes français. Hein, et son best trick, c'est un bio 720, m'a-t-on dit. Mon petit doigt m'a dit. Ok, alors je pense que c'est exactement ce qu'il a réalisé sur cet essai-là. C'est un petit peu difficile pour nous d'ici. On est vraiment en face et assez loin. Donc un petit peu plus difficile d'être très très précis sur les figures. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce spectacle. On a une chance énorme de pouvoir voir ce très bel événement, ces championnats de France en direct, championnats de France Big Air Ski. Vous êtes sur Trek, je suis avec Marie Martineau, grande championne du freestyle qui est venue en voisine. Et je suis très heureux que tu sois à mes côtés. Et on m'annonce un 77 pour Alexandre des Deux Alpes. D'accord, il a pris la tête donc. Et son jeune coéquipier des Deux Alpes, Clément Naudin, qui fait un énorme Cork 900. Voilà. Non, mais c'est toujours impressionnant de voir ces petits bouts de choux qui balancent aussi gros. On s'inspire des aînés ? Oui, bien sûr. Et puis là, c'est les championnats de France. Ils savent que chez les grands, il y a quand même les meilleurs Français et tout. Je pense que c'est plutôt chouette de vouloir leur montrer, essayer de briller. On a tous grandi avec des exemples en se disant un jour, je ferai comme lui. Et s'il me remarque un petit peu aujourd'hui, c'est déjà un petit pas de fait chez les grands. Et un 83 pour Clément Naudin, qui est largement devant. Clément Naudin devant Alexandre Goumachian, Romaric Crétier et Mathis Rottier. La startiste homme, celle que vous attendez tous, avec donc ces garçons qui vont s'élancer. Ils sont 16 seniors, juniors à partir. Et il y a de très beaux noms. Et on va commencer par un local d'étape, un Arcadien, le seul qui s'est qualifié, mais on est très content de l'avoir. Il est moitié britannique, moitié arcadien. Il est surtout membre de la Frisky Academy. Charlie Drummond, on en a parlé tout à l'heure de la Frisky Academy avec ses créateurs. Et on a donc tous ces riders. On rappelle qu'ils partent dans l'ordre inverse de leurs résultats, c'est ça ? Oui, tout à fait, Greg. Ils partent dans l'ordre inverse des résultats des qualifications d'hier. Donc normalement, le niveau va aller crescendo et on va pouvoir garder le suspense de la compétition jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous restez, et vous devez rester avec nous jusqu'au bout, vous allez voir du niveau qui augmente, qui augmente, qui augmente. Réagissez sur les réseaux sociaux de Trek, Insta, @TrekTV, Facebook bien sûr. Hein. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube. Diffusez-le, dites-le. Allez, faut qu'on soit nombreux à regarder et encourager tous ces jeunes. Et c'est parti pour Charlie Drummond des Arcs, la Frisky. Oh, il a pris un air de fou avec le switch Misty 1000. Parfait, parfaitement réalisé.
Mais je comprends qu'il se soit qualifié hier, ce petit jeune-là, dites donc. Donc on rappelle qu'il est allez, dans le top 5 des skieurs du Royaume-Uni en Big Air, dans le top 20 en France. Et son best trick, c'est le Switch Bio 1080 Mute. Bah, c'est exactement ce qu'il vient de réaliser. Alors on peut dire bio, on peut dire Misty, c'est le même axe de rotation, c'est simplement c'est l'inverse du cork que je vous expliquais tout à l'heure avec un axe désaxé plutôt sur l'arrière. Là on a un axe désaxé plutôt sur l'avant. Malgré qu'il arrive en arrière, il vient plonger plutôt vers l'avant. Voilà, il fait 3 tours, 1080. T'as vu une augmentation des tricks et il y a encore des tricks à inventer. Mais disons que ce tricks-là, par exemple, c'est un tricks qui t'aurait permis de gagner l'X Game il y a 12 ans. D'accord. Ah, c'est quand même énorme. L'évolution. Oui, l'évolution est folle. L'évolution est folle. 74-3 pour Charlie Drummond de la Frisky des Arcs. Super. Alors, on rappelle qu'il n'y a pas un score qui correspond à une figure. Il y a une vision overall des juges qui regardent ça d'un œil extérieur, qui compile les critères dont on a parlé tout à l'heure. Et un 74 aujourd'hui ne veut rien dire par rapport à un 74 d'hier. Vous venez de voir Hugo Logier des Deux Alpes. Oui, qui vient de faire un switch double. Donc là, c'est la première fois qu'on voit une double rotation dans la compétition, c'est-à-dire la tête est passée deux fois en bas. Donc il y a deux saltos qui se succèdent en l'air. Donc normalement, sur la notation, ça devrait se ressentir assez radicalement. Il aura 24 ans dans 15 jours, c'est un spécialiste du slopestyle. Il y a plusieurs disciplines. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelles sont les disciplines freestyle? Alors, les disciplines freestyle. Dans la grande famille des disciplines freestyle, on a le big air comme aujourd'hui, le slopestyle, qui est une association de plusieurs big air à la suite et de rail, donc des barrières sur lesquelles on monte pour venir slider. Il y a le halfpipe, la discipline que je pratiquais, que pratique encore Kevin Roland. Il y a le ski cross, c'est-à-dire un départ à 4. C'est la guerre, le premier qui arrive en bas à gagner avec des bosses, des virages relevés. Il y a aussi le ski de boss avec Perrine Lafont, notre petite française qui cartonne tout. Et puis il y a aussi le saut acrobatique qu'on connaît un peu moins parce que c'est une discipline qui a été délaissée par les Français il y a une quinzaine d'années. Donc forcément, quand on n'a plus de Français au départ, on suit moins. 77-3 pour Hugo Logier, donc des Deux Alpes. Voilà, qui prend une meilleure note que Charlie Drummond. En toute normalité que Charles. Voilà. On rappelle qu'il y a 3 runs en tout. Et c'est parti pour Nathan Thébault de La Plagne. Alors, qui est parti en... Ouh, alors, je pense qu'il était parti pour faire un double bio en 1260. Mais il avait trop de rotation et certainement dû à aussi un petit peu trop de vitesse, donc trop de airtime. Il s'est un peu envolé. Donc il voulait reposer en arrière, mais la rotation l'a emmené à reposer un petit peu en travers. Une petite déception pour ce rider de La Plagne, mais donc il y aura de quoi se rattraper. Oui, effectivement. C'est aussi pour ça qu'il n'y a que deux sauts qui comptent sur les trois. Hein. Si on rate le premier, rien n'est fait. Voilà, 43, c'est le score de Nathan Thébault. Et à suivre, Raphaël Carcomont d'Arian du Grand Bornand. Il a 16 ans, il est très jeune. Hein. C'est parti. Et il se met en switch, donc en arrière, sur la grosse table. Oh, et le switch double 1000. Non, switch double 900, autant pour moi. C'est-à-dire... il y a 2 tours et demi. Il part en arrière, mais il arrive de face. Il y avait un beau grab bien tweaké, comme on dit. Tweaké, c'est-à-dire que attraper son ski, c'est grabber. Maintenant, venir tirer dessus pour lui donner une amplitude et créer le style, ça s'appelle tweaké. Ça, c'est assez important pour les juges. Maintenant, il m'a semblé une réception un peu limite. Est-ce que les juges regardent la même chose ou chacun, comme en patinage artistique, pourrait avoir sa spécialité? Normalement, ils ont tous une vision... Global, exactement. On attend la note de Raphaël Carmont-Darian du Grand Bornand. 62-7 pour ce jeune de 16 ans. Voilà, il aura payé un peu cher sa réception limite. On les voit partir avec ou sans bâton? Oui, alors ben, 2 écoles. Ceux qui pensent qu'un skieur doit avoir des bâtons et que c'est plus joli, que c'est plus stylé. Et ceux qui pensent l'inverse. Après, pour le fait de graber ses skis, c'est clairement plus facile sans bâton. Donc, bon. Vincent Maravo au départ de Font-Romeu, les Pyrénées. Ah, oh, et le double cork 1400. Impeccable. Très bien réalisé. On l'a vu qu'il avait posé très très bas. On
a un beau spectacle pour l'instant, tout se passe bien. Pas de chute, et tant mieux, parce que c'est quand même un sport risqué. Oui, oui, ben effectivement, c'est un sport risqué. Après, ils font tout pour minimiser les risques, hein, ces athlètes. Ils s'entraînent beaucoup à côté, ils font du physique pour être solides en cas de chute. Et puis, ils font beaucoup d'acrobaties, trampoline, water jump. Maintenant, on voit de plus en plus aussi des big air bags, grands sachets, coussins remplis d'air qui permettent d'amortir les réceptions. Donc, on s'entraîne là-dessus et on entraîne notre cerveau à imprimer une rotation. Et plus le cerveau l'a imprimé, et plus les réflexes sont bons sur le take-off dont je parlais tout à l'heure, sur la sortie du saut. Et ça permet de prendre beaucoup, beaucoup moins de risques qu'avant. 86 pour ce rider de fond romeu. Ah oui, ce serait Vincent pas la tête. C'est la tête. Allez. Voilà, de cette compète finale des championnats de France, homme, senior, junior. Andreas Herrantz, des Deux Alpes, 17 ans. Deux phases. Ah non, il était en switch. Je pense qu'il s'est mis en switch au dernier moment. Et il est très content. Il nous fait un switch double parfaitement réalisé. Alors c'est un garçon qui vient des Pyrénées et qui s'est installé dans les Deux Alpes. Et mais les coachs m'ont dit qu'il cherchait l'amour dans les Deux Alpes. C'est pour ça qu'il a quitté les Pyrénées pour les Alpes. Ok. Voilà. Ok. Petite information totalement essentielle. Ah oui. Et on attend le score donc d'Andreas Herrantz des Deux Alpes. Nous sommes sur Trek en train de profiter d'un immense soleil pour les championnats de France de Big Air aux Arcs, donc en Savoie, sur le parc, le snowpark des Arcs, avec les touristes qui peuvent profiter du show et vous qui, derrière vos écrans, que ce soit sur YouTube, ou à la télé. 71 hein, pour Andreas Herrantz. Et apparemment, il n'est pas satisfait de son run. Il y en a encore deux à venir. Et à suivre, Caddy Gomis de la Clusaz. Et oui, on voit qu'il y a quand même pas mal de riders de la Clusaz, notamment à venir. Belle école du freestyle à la Clusaz. Ouais, j'ai fait un petit calcul, il y en a 6 de la Clusaz, 4 de la Plaine et 4 des Deux Alpes. Oh, l'énorme double cork 1260. Énorme. Quelle est la vitesse quand on part du haut, là, du start? Franchement, je pense qu'ils arrivent sur le saut à quelque chose comme 60-70 km/h. Après, voilà, plus ils arrivent vite et ils poussent correctement, plus ils ont de l'amplitude. Et là, on a eu un bel exemple d'une amplitude assez impressionnante qui donne une lenteur à la rotation, on a le temps de voir, c'est très beau, je trouve ça. Du coup, ça donne du style. Donc, vous voyez que c'est pour ça que tout est lié et qu'on a une vision globale pour noter. Caddy Gomis, donc, qui vient de passer, on attend son résultat. On va arriver à la moitié des garçons. Bah, c'est une figure qui est beaucoup plus pratiquée, donc peut-être que les juges la trouveront moins technique, mais 80. Par contre, au niveau de la réalisation, elle était vraiment parfaite. 80, il est toujours derrière Vincent Marabeau. Oui. Mais en deuxième position. Et à suivre, Alex Raymonet de la Clusaz. Donc on l'a dit qu'il y a du monde de la Clusaz. Oui, le collègue. Et voilà, c'est ce qu'on disait, sport individuel, mais pratiqué en équipe, tout le monde s'entraîne ensemble. Ça crée l'émulation et le progrès. Oh, le double flat, magnifique, avec un grab assez particulier, une sorte de Japan. Et le flat, ça consiste en quoi? Alors, le flat, ça consiste à ce que les skis tournent autour de ton corps. Donc, il n'y a pas l'axe, il n'y a pas vraiment la tête qui passe en bas. Il n'y a pas l'axe du cork ou du bio où on a un désaxé, justement, avec un saut plutôt en forme de tire-bouchon. Là, on a vraiment les pieds qui viennent à hauteur de la tête et qui tournent autour, qui font un 360 autour de vous. C'est encore un autre axe de rotation. Tu parlais de l'entraînement en trampoline. Il y en a beaucoup qui viennent de la gym? Non. Pas assez ou pas du tout? C'est pas du tout, en fait. Ouais. Non, effectivement, on a plutôt face à des gamins qui sont des gamins de station, qui sont nés ici avec des skis aux pieds et qui ont déjà commencé à skier avec des parcs à disposition dès le plus jeune âge. Donc, ils prennent en aisance, en facilité. Et... Parce que ça a l'air tellement fluide, tellement facile. Ouais, c'est ça. 67,7 pour Alex Raymonet de la Clusaz, 23 ans.
Et à suivre, Nathan Arbonnier, Frisno de Gap, au Alpin. Garçon de 19 ans, équipe de France junior pour ce jeune Nathan. Et le double cork. Joli. Il peut être content de lui. Ouais, c'était bien avec un tail grab. Donc le tail grab, c'est l'arrière de son ski, c'est la queue du ski, le tail. Donc il vient croiser ses skis et attraper l'arrière de son ski. Et là, il fait un double en 1440, c'est-à-dire 4 tours. Tu vas te mettre à la page parfois sur les sauts ou tu les connais tous par cœur ? Non, je suis obligée de me remettre dedans tout le temps, et notamment Big Air, parce que moi, je vous rappelle, c'était vraiment plus le half-pipe, ma discipline, et on a il y a un 180 d'écart, puisqu'on arrive dans un sens face à la courbe et on repose dans l'autre. Donc à chaque fois, je suis obligée de faire des trucs dans ma tête pour compter les tours et tout. Et des fois, je me trompe, je me fais gronder, les garçons de l'équipe de France m'appellent, on me dit « Ah, t'as dit ça, c'était pas ça !» 88.3, c'est lui qui prend la tête, Nathan Arbonnier. Ah, il était parfait. Et à suivre, un garçon de la Clusaz, Elliot Gori. Oui, qui arrive en switch. Oh, alors avec un double grab. 20 ans. Donc switch double. Troisième hein, du. Pardon, je t'ai coupé. Non, je t'ai coupé. Du championnat de France l'an dernier ici. Donc switch double 1000 avec un double grab. Alors là, vous allez pouvoir regarder ça sur le ralenti. Il attrape ses deux skis avec ses deux mains. Toi qui viens de la plaine, là, c'est aussi une belle école. Effectivement, c'est une belle école du freestyle. La plaine, ça a toujours été. C'est dans l'ADN de la station aussi, de l'époque des Candice Gilles et Olivier Alamand, qui avait été vice-champion olympique derrière Edgar Groupion. Donc on a peu retenu, alors que c'était un champion et un skieur extraordinaire. Mais donc oui, depuis très 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 longtemps. Et pourquoi toi, tu as choisi le half-pipe à d'autres disciplines ? Eh bien parce que à l'époque, quand j'avais 14 ans et que je commençais à être un peu à fond de freestyle, la plaine a décidé de faire un half-pipe. C'était un des premiers half-pipe en France. Et donc tout naturellement, le coach Greg Guenec, qui était déjà notre coach à l'époque, nous a emmenés là-dedans, on a adoré. Et donc on multipliait les disciplines. On faisait du ski de base, du saut acrobatique, du big air et du pipe. Et est-ce qu'on peut être pluridisciplinaire, on peut être bon dans toutes les disciplines, ou il y en a qui vraiment se spécialisent ? Il y en a quelques-uns qui arrivent à être bons dans plusieurs disciplines. C'est hyper dur parce que tu te bats face à des mecs qui sont spécialistes et qui passent tout leur temps. Et toi, tu es obligé de couper ton temps en plusieurs parties pour faire un peu de tout. Donc, c'est hyper difficile. Parce que les sauts sont pas forcément les mêmes. En tout cas, on les prend pas forcément de la même manière, forcément, que sur un half-pipe ou en big air. Exactement. Dans un half-pipe, il y a une technique particulière de la courbe qui est très, très différente d'arriver sur un saut dans l'axe avec... avec un big air. Il y a un 72.3 pour Elliot Gori de La Plagne. Troisième ici l'an dernier. Oui. Et Timothée Sivignon de la Clusaz. Encore un Clusaz, 16 ans, très jeune. Et c'est un switch 1080, j'aurais dit. Alors peut-être que les juges le considéreront comme un double. Des fois, c'est difficile à dire. Les juges sont très bien placés. Hein. Eux, on les retrouve sur le knoll, donc juste à côté du saut. Donc, ils ont vraiment une belle vision de l'axe de rotation et ils peuvent bien se rendre compte. Je pense qu'il sera... Bien noté. Ouais, on va considérer que c'est un switch double 1000. Vous venez de voir à l'écran Timothée Sivignon de la Clusaz. On est à plus de la moitié des garçons. Le niveau va augmenter, mais ce n'est que le premier run. Hein. Il y en a encore deux autres à suivre. Oui. Merci d'être avec nous. Et si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, je vous invite à venir demain sur Trek, brancher votre télé à 11h30 pour une rediffusion de ce Lézarc Launchpad Championnat de France International Open Big Air Ski. Le Big Air, donc une des disciplines du freestyle, vous l'avez compris, deux tables, deux gros sauts. Et le but du jeu, c'est d'effectuer le best tricks, la plus belle figure. Et à mes côtés, Marie Martineau. Et à l'issue de ce premier run, Mathilde, qui dirige ces spots toutes les semaines, reviendra avec des invités pour parler de ce très beau spectacle. On attend le résultat de Timothée Sivignon. S'ils mettent du temps, c'est qu'ils ont du mal à se décider, les juges, en tout cas à se mettre d'accord. Ça peut arriver, c'est pour ça qu'ils sont trois, hein, mais ça peut arriver qu'ils ne soient vraiment pas d'accord. 82.8 et 5 à placer. Troisième place au classement provisoire si l'on fait les calculs. Très bien, très bien. Paul Vieuxtemps. Alors lui, il court pour la Thaïlande.
Eh bien, c'est parfait. C'est pour ça qu'on a appelé cette compétition l'International. Exactement. Oh là là, magnifique. Double bio, superbement réalisé. Lui, il vient bio Misty, comme on de veut. Gap, bio ou Misty pour Paul Vieuxtemps. Ouais, une amplitude assez impressionnante. Il a 20 ans et il court pour la Thaïlande. Et tu l'as dit, Marie, c'est International Open. Oui, donc si vraiment, par exemple, il faisait le meilleur score et qu'il gagne la compète, il ne serait quand même pas considéré comme champion de France. On attendait le premier Français, forcément, voilà, pour avoir un champion de France. Oui. On l'a vu dans d'autres compétitions, et notamment pour ceux qui suivent la natation, ça arrive régulièrement qu'il y ait des internationaux qui soient devant les Français. Mais bon, vous n'êtes pas champion de France si vous n'êtes pas Français. Après, c'est bien pour les points, parce que s'il y a des internationaux au départ, et ben, ça fait monter le niveau. Donc, il y a plus de points à marquer pour nos petits riders français. Et parce qu'ici, on gagne des points pour le circuit international. Exactement, pour pouvoir un jour accéder à l'équipe de France ou pouvoir être qualifié pour une Coupe du Monde, comme celle de la semaine prochaine à Font-Romeu. C'est ça l'idée. Et à suivre, en attendant le score, vous allez découvrir de la Clusa, Benoît Buratti, 84.2. Et oui, Ben Buratti, donc on rentre dans les 4 meilleurs des qualifications d'hier. Ben Buratti qui a 22 ans, il était deuxième ici l'an dernier, était au JO de Pyeongchang en slopestyle, mm-hmm. Pas encore de Big Air, ce sera donc pour les prochains. Et oui, les prochains qui auront lieu à Pékin dans 2 ans maintenant. Et t'en parlais, les Chinois apparemment sont extrêmement forts, ils se préparent. Ouais, ils se préparent vraiment, ouais, ils vont être redoutables. Ouais. Puis ils injectent beaucoup d'argent dans les structures, dans les entraînements. Et là, on est sur un double cork 1006. Benoît Buratti, double cork 1006. Ouais, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on voit un rider faire autant de tours. Je pense que Vincent Maharavo avait fait la même figure et qu'il a trusté la première place pendant un petit moment, oui, avec cette figure. Exactement. On refait nos petits calculs, on attend que les juges donnent leurs résultats. Ça discute, il faut se mettre d'accord, hein. C'est l'overall, comme tu disais. On, oui, regarde tout. L'amplitude, la distance, l'airtime, la récep, beaucoup de récep, me disait Xavier Trouba et Laurent Niollier. C'est très important. Très important. Et à faire la différence entre deux sauts identiques, si un, la réception sera sur les pieds et très bien, et l'autre, elle sera parfaitement sur les pieds, avec même pas les genoux qui se plient, quelque chose de très fluide, c'est lui qui prendra les points. Benoît Buratti avec un 90.3, il est donc leader, voilà, de cette compétition championnat de France en direct des Arcs Bourg-Saint-Maurice. Sur ce très beau snowpark. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit les touristes qui s'entraînent sur les petites bosses à côté. Et oui, et puis on voit de plus en plus de gens qui s'arrêtent aussi pour regarder le spectacle. C'est un véritable show. C'est parti pour Dylan Guillot-Magnin. Et le double cork 1260. C'est le champion de France en titre. Hein. Ouais, il a posé très très bas, mais du coup, c'était pas très très propre. Du grand bord, non, il a 24 ans. Vaut mieux poser plus haut ? Ben, il vaut mieux poser parfait. Alors oui, si c'est parfait, un peu parfait, plus gros, tant mieux. Mais malheureusement, des fois, en allant un peu trop loin, la réception est moins propice à une réception propre. Et donc voilà, si les skis sont un peu écartés, que les bras bougent un peu, ben, visuellement, c'est tout de suite assez impactant. Hein. Avec donc Dylan du Grand Bornand, on entre vraiment sur la fin, toute fin de ce premier round. Vous restez avec nous, hein, bien sûr, il y a encore deux riders à venir. On et oui, et quel rider. Et quel rider, voilà, vous avez là du très très beau monde et vous allez voir du gros show. Alors on a Antoine Adélis qui va arriver, qui est un planeur qui revient d'une Coupe du Monde à Atlanta. Donc lui fait partie de l'équipe de France, c'est notre meilleur espoir en France. Deuxième à la Coupe du Monde. Et il a fait troisième à la Coupe du Monde à Atlanta, mais il a surtout amené une nouvelle figure qui n'avait jamais été présentée, qui s'appelle un pré-nose. Alors je vais tenter de vous expliquer, c'est-à-dire que lui, il a décidé d'attraper son grab avant d'arriver sur le saut. Donc il arrive sur le saut avec son grab déjà en main, donc un pré-nose parce que le nose grab. Alors, je ne sais pas s'il a décidé de nous proposer ça en première figure. En tout cas, à Atlanta, il est arrivé avec ça. Et il a fait une magnifique troisième place. Sur le podium. C'est un rider tellement perspicace. Il s'entraîne énormément. C'est quelqu'un de très doué, mais qui est aussi très travailleur. Alors, quand on compile les deux, en général, c'est chouette. Mais Antoine s'est beaucoup blessé. Et voilà, il a de l'abnégation. Il est toujours revenu de blessure. Et là, ça a fini par payer. Donc, il a gagné son spot pour les X Games grâce à ça. Donc, génial. Il sera aux X Games d'ici la fin janvier à Aspen. Et un 83.5 pour Dylan Guillot-Magnin.
Et on attend donc Antoine, gros bosseur, parce que oui, ces jeunes font du freestyle, mais le freestyle, c'est du boulot. Ah oui, à ce niveau-là, ça devient un temps plein. Hein. C'est de la muscu en permanence, de l'entraînement tout le temps. Il faut gérer entre envoyer et pas se blesser. Et là, il nous fait le triple cork. Allez, triple cork 1440. Donc, c'est pas le prénos dont je vous parlais. Énorme. Mais oui, énorme. Et c'est le premier qui balance un triple, c'est-à-dire là, il n'y a plus deux fois la tête en bas, mais donc bien trois fois. On va certainement partir sur un gros score. On rappelle que c'est noté sur 100. Oui, je pense qu'Antoine n'a pas trop apprécié de prendre la deuxième place des qualifications hier. Donc là, il a dit « Ok, je vais faire un triple. Très bien, c'est parti. » Et dans la stratégie, comme tu l'expliquais, Marie, souvent, on place déjà le saut qu'on maîtrise parfaitement pour ensuite envoyer quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait, mais qui peut rapporter des points. Alors oui, parce que là, on est sur un niveau national. Après, à l'international, ils ont plus de sauts maîtrisés que de possibilités de les montrer. Donc après, on est vraiment sur... ils maîtrisent tout et ils font des choix par rapport à ce qu'ils voient aux entraînements sur les autres aussi. Combien a-t-il fait de points ? 93,3, me dit-on dans l'oreillette. Allez, parfait, c'est la tête. Voilà. C'est la tête du championnat de France sur ce premier run. Et pour terminer avec les garçons, mais pas pour terminer ce show, cette compétition, c'est Axel Le Palab, au soie, près de Saint-Jean-de-Maurienne, de Modane. Hein. Ouais, qui a pris donc la tête hier et il arrive en switch. Oh, et c'est un switch double 1000. Alors, c'est pas une figure très technique, c'est-à-dire switch double avec trois tours. Par contre, c'était parfaitement réalisé. Donc, niveau style, ça peut marquer. Ça peut marquer vraiment des points. C'était très stylé. C'est certainement ce que les juges auront apprécié hier. Et vous avez pu apprécier ce départ assez lent pour une accélération derrière. Exactement, Greg. C'est très esthétique. Tout à fait. C'est super beau, hein, on est d'accord. Ça s'appelle tourner late. Tourner donc, late comme tard. Voilà, et faut être totalement bilingue avec vous. Hein. Ah bah, j'essaie de traduire à chaque fois pour rester que tout le monde nous comprenne. Hein, mais... et c'est tant mieux. Voilà, et donc c'est vrai qu'il faut une belle maîtrise de la rotation pour ne pas l'envoyer tout de suite et être capable de mettre de la rotation dans le saut alors qu'on a plus d'appui au sol. En tout cas, j'espère que vous appréciez comme nous ce beau spectacle. Vous êtes dans le spot, le live en direct des Arcs. Demain, il y aura une rediff à 11h30 sur Trek et dites-le autour de vous si vous n'avez pas la télé, il y a forcément un ordinateur, une tablette quelque part oui. Pour suivre sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. 87 Insta. Points pour Axel Le Palab. 87 points pour Axel Le Palab. Et on va prendre peut-être la troisième place. Hein. On va refaire nos petits calculs. Oui, on va se refaire nos petits. J'écris pas très bien, mais il fait pas froid, mais bon, ça pique les doigts. C'est top, le retour de Mathilde. Et c'est championnat de France de ski Big Air. Enak, alors on ne le présente plus, c'est une figure emblématique du ski. Ancien skieur professionnel, skieur ski cross. Exactement. Alias Rancho aussi, voilà. Faut le suivre sur les réseaux avec de très très beaux spectacles. Vous faites, Enak et toute la bande, parce que tu n'es pas tout seul, il y a des gens derrière la caméra, de très belles choses. Voilà, je tenais à te le dire. Merci beaucoup, Greg. Et le maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs nous rejoint. Il est en route. Il est là dans quelques secondes. Maintenant, je le vois arriver. Parfait. Prenez place. Le voici. Ça va, Michel ? Michel Giraudy, le maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Monsieur le maire. Monsieur le maire. On va commencer par vous, Mathilde. Il y a une petite question pour le maire. Oui, les Arcs, une destination, 5 sites. Un domaine incroyable entre Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Arc 2000. On peut venir de Paris directement en train et arriver en haut de l'Aiguille Rouge. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter le domaine et son ADN ? Alors d'abord, quand on arrive de Paris, on peut monter en funiculaire aussi. Oui. On a le funiculaire le plus beau du monde, je crois. C'est tout le dernier neuf, tout neuf. Extraordinaire. Il arrive à Arc 1600 et de là, on peut rayonner sur les autres stations que sont 2000, 1600, 1800, 1950. Et puis bien sûr, en ski, on peut basculer chez nos amis de la Plagne, c'est le même domaine skiable. Et donc, c'est paradis ski. Et donc, c'est sans fin avec, je crois qu'il y en a vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, on est la station qui accueille les familles, les ados, les enfants, les petits, les anciens. Et puis les sportifs qui font des cuplettes ou des sauts sur les bosses, comme ici, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que vous avez apprécié du spectacle, de ce premier run ?
Ben, je n'ai pas pensé grand chose, mon ami, vous pouvez couper parce que j'arrive à l'instant. Hein. Ah bah vous allez apprécier. J'arrive à l'instant, c'est en direct, c'est du direct. C'est du direct. Ah, bon, alors, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, je me suis présenté, Michel Giraudy, le maire. Et donc, je vais regarder maintenant le deuxième round, run. Voilà. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une compétition de ski freestyle ici sur ce domaine des Arcs et de montrer toute l'étendue du ski? Oui, et puis en plus, parce qu'ici, il y a une grande école, ça s'appelle la Frisky Academy, qui vraiment a fait vraiment beaucoup d'efforts pour naître et pour être. Et aujourd'hui, c'est une grande compagnie, une grande Frisky, une académie, avec beaucoup de jeunes. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes de Bourg, et même d'ailleurs, qui maintenant logent à Bourg pour pouvoir suivre la Frisky Academy, qui, on le voit aujourd'hui, sait faire des grands événements, sait entraîner ces jeunes. Ils n'arrêtent pas, vous les voyez, moi je les croise à la gare de Bourg, c'est leur point de rendez-vous à l'automne et à l'été, et ils partent s'entraîner dans des grands gymnases ou sur des glaciers et autres. Ils n'arrêtent pas, il y a des gens formidables qui mènent ça, et je crois qu'on peut les féliciter, c'est grâce à eux que ça se passe comme ça. Une très belle institution. Et Enac peut peut-être nous en parler puisqu'il est président de la Frisky Academy. Et quand on parle du ski sous toutes ses facettes, je pense que Enac, tu es la bonne personne. Ouais, la bonne personne, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est oui, la Frisky Academy, c'est vraiment incroyable. Là, ce qui se passe, une énergie depuis 5-6 ans. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est... Il y a 20 ans, il y avait un team qui s'appelait le Team Sans Voix du Gros qui sévissait sur la station des Arcs. Et on est tous restés amis. 20 ans après, on a pris un peu de l'âge. Et puis, il est temps de redonner. Du coup, on prend la suite. On a monté cette structure. Et aujourd'hui, c'est des minots de 7 à 20 ans. C'est important de qu'il y ait une poursuite de vous, de ce que vous avez fait. Et maintenant, les entraîner pour aller plus haut. Alors ça, je pense que c'est... En plus, c'est l'ADN des Arcs. Il y a eu une première génération avec Apocalypse No, qui a fait rêver une génération de personnes... C'était incroyable. Moi, j'en ai fait partie. Nous, on a rebondi sur Apocalypse No. On a créé le Team Sans Voix du Gros. Du Team Sans Voix du Gros, on a créé la Frisky Academy. Et puis, dans 20 ans, la Frisky Academy créera peut-être encore autre chose. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est important. Nous, on est... Nous, ça y est, on a passé notre temps. On n'est plus les futurs champions. C'est les gamins. Donc, l'énergie aux enfants. La suite pour cette compétition, t'en attends quoi? Déjà, qu'est-ce que t'as pu apprécier sur les premiers runs? Ah, mais là, j'hallucine. C'est complètement fou, ouais, c'est complètement fou. Et la seule conclusion que j'ai, c'est quand on est en l'air, on se fait pas mal. Par contre, quand tu vois les longueurs, les hauteurs des tirs, la réception, et que j'entende encore dire quelqu'un que les freestylers sont pas des athlètes, justement, je crois que je les ai. On en a longuement parlé avec Marie tout à l'heure, on le fera parce que il y a un vrai entraînement. Et Marie le disait, c'est un entraînement à l'année. Aujourd'hui, on fait pas. Il y a la partie neige, la partie hiver, forcément hivernale, mais le reste du temps, même quand il pleut neige, on s'entraîne. Oui, bah c'est toute l'année. On a des ballons airbag pour s'entraîner l'été. Les gamins partent en stage sur des water jump à Evian, montent à l'INSEP. Ouais, c'est une formule comme on peut connaître dans le ski club traditionnel alpin, sauf que c'est basé sur le freestyle avec tout ce qui va avec, la culture, puisque la culture du ski freeride freestyle, c'est aussi très important. Et voilà, et on jongle avec ça. Et les gamins ont des entraîneurs juste incroyables. Donc je pense que tout à l'heure, vous les avez tous cités et c'est la classe pour eux, je pense. Et on va en voir qui vont venir sur le plateau. Mathilde va nous en faire revenir. Oui, et monsieur le maire, je rebondis sur ce que disait Enac. Vous avez un très bel ambassadeur. On a une culture ici aux Arcs, une culture du ski, une culture du free-ski. On est entouré de montagnes, on est en Haute-Tarentaise. Comment communiquer, comment partager cette culture de la montagne? Il faut venir. Il faut venir et puis il faut s'inscrire à la Frisky Academy ou prendre un bon cours de ski. Il faut venir parce que le sport d'hiver, c'est pas compliqué. Hein. C'est facile. D'abord, on peut venir comme aujourd'hui, que pour le soleil, la neige, le paysage. Et puis après, on fait ce que l'on veut. C'est plus facile qu'on le dit. C'est ceux qui y sont reviennent toujours. Donc, welcome in les Arcs. Les Arcs, ils se back. Voilà. Très belle. Ouais, bonne petite conclusion pour cette partie. On va voir la suite de la compétition, monsieur le maire. Cette fois-ci, vous restez avec nous et vous regardez ce qui va se passer. Absolument, absolument, je vais voir et je vais être certainement étonné. Enac, merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi, tu restes dans les parages, forcément. Hein. Tu es là pour l'organisation et on te retrouve donc dans tes shows, tes séries hein, de rancho. On le dit, il faut absolument regarder. C'est à mourir de rire. Et je trouve ça extrêmement bien produit. Voilà, je tenais une fois de plus à te le dire. Merci, Greg. Non, c'est pour être invité un jour. C'est pour ça. Voilà. Marie, on retourne sur la compétition. Mathilde, on se retrouve à tout de suite. Je reviens. Et vous êtes sur Trek TV en direct pour ces championnats de France de ski freestyle de Big Air. Et c'est reparti.
Les riders sont ready. On rappelle qu'il y a 3 runs. On a vu le premier et c'est parti pour le suivant. La start list dame. Et avec donc 4 filles. Et oui, on va retrouver nos 4 concurrentes féminines. Avec Jeanne Michaud qui sera la première à s'élancer, qui a obtenu la note de 70 tout à l'heure. Jeanne Michaud, fille de... Fille du grand, célèbre, incroyable, mon idole Sébastien Michaud, le freerider de la Clusaz, qui était je ne sais combien de fois champion du monde de freeride, qui est un mec extraordinaire, passionné de montagne. Et donc, je suis ravie de voir que sa progéniture se retrouve au départ. C'est souvent une histoire de famille, en fait, dans le ski. Quand on est la façon, oui. Quand on habite, quand on mange ski, forcément, les enfants vont sur les patins. On mange ski, quoi. Donc, tout le monde en parle autour de la table. Après, des fois, pas forcément. Typiquement, moi, je ne suis pas du tout issue d'une famille de... De skieurs. Ouais. Ou à l'inverse, ma fille n'a rien à secouer de ski freestyle. Pour l'instant. Ouais, non, mais ça ne changera pas. Après, il y a une diversité d'offres de propositions sportives à la montagne, parce que l'été, il y a beaucoup d'enfants qui sont de jeunes, pas que des enfants qui se mettent au VTT. Alors, il y a le VTT, il y a le canoë en bas en vallée, tu peux faire du kayak, c'est génial. Du parapente, il y a une multitude de... Et du reste, les gens méconnaissent la montagne l'été, c'est vraiment dommage. Il faut venir, il fait beau. Et c'est facile d'accès pour venir ici aux Arcs, comme vous nous regardez sur Trek TV et sur YouTube. Dites-le autour de vous. Réagissez sur Insta @TrekTV. C'est une exclusivité Trek qui est partenaire de ce launchpad des Arcs. Et le Facebook, bien sûr. Facebook de Trek. Et la rediff demain. Voilà, on attend que les filles se mettent en place. On va retrouver Jade qui a pris la 3e place à la suite du premier saut parce qu'on a une petite graille de Ivana, je pense, qui avait mal posée. Voilà. Alors on attend que les riders se préparent. Ça discute là-haut. Est-ce qu'on discute avec son coach ou on se remet dans sa bulle? Oh non, on discute avec son coach. Avec les potes aussi. C'est ce qui fait peut-être la singularité du freestyle. On se rapproche de toutes les autres disciplines dans le fait que ce soit très rigoureux. Mais l'esprit freestyle, c'est être avec les autres, c'est partager, c'est déconner. Il faut que ça reste comme ça et j'espère que ça le restera longtemps. Et c'est parti pour donc ce deuxième run pour les filles. On rappelle que l'an dernier, c'est Lou Barin, Eleonore Ferrari et Ivana Mermillot-Blondin qui avaient fait le podium pour ces jeunes dames. Alors, elle va partir sur le plus petit kicker, donc qui fait quand même 15 mètres de long. Voilà, on a 15 d'un côté, 18-20 de l'autre. Ok, ça part en arrière. Qu'on parte sur le petit ou sur le grand, c'est pas une question de note, c'est vraiment le tri qui compte. Ben si, parce que forcément il y aura moins d'amplitude, ça sera un peu plus petit, mais il vaut mieux un trix parfaitement réalisé sur la petite qu'un moyennement réalisé sur la grosse, je pense. Alors là, Jade, elle a fait un switch 5, si je ne dis pas de bêtises, au premier saut, elle avait fait un cork 720, donc elle était arrivée dans l'axe, elle avait fait 2 tours, elle avait reposé dans l'axe. Là, elle est arrivée en arrière pour proposer au juge quelque chose de différent, pour qu'elle ait le droit d'avoir l'addition de ces 2 points. Voilà, c'était... Un petit peu en arrière, pas très très bien grabé, mais je crois que Jade est très très jeune. On avait déjà assuré tout à l'heure sur le premier run, les 2 meilleurs compteront. Oui. Et vous pouvez voir soit le soulagement, soit la déception, ça dépend. Voilà, 58-7, loin de ce qu'elle avait pu produire sur le premier run. Ouais, mais il lui reste une chance, je pense qu'elle va retenter ce switch 5 parce que son corset était bien, donc... Et Lou Barin qui est en train de se préparer. Lou Barin qui est la championne de France. Elle nous vient de Val Thorens. Ok, elle a poussé. Elle se met en arrière. Et c'est parti pour le switch 9. Un petit peu court. Ouais. C'est-à-dire que vous avez vu, Greg, ouais. on l'a voir poser juste short au niveau de ce qu'on appelle le knoll, c'est-à-dire la différence entre le plat et la réception. Donc, pourtant, elle a poussé au départ. Elle a mis beaucoup de jus au départ, mais a priori pas assez de vitesse. Et le physique compte, il faut, oui. Est-ce plus on est lourd, plus ça va vite ou... Oui. Mais oui. Ça aussi, ça peut être pénalisant quand on est en l'air. Non. Après, en général, on a l'habitude de sa masse. Compenser, mais, ouais. mais c'est vrai que sur l'élan, c'est compliqué quand on est un petit peu à plume parce que on prend moins de vitesse, quoi. Est-ce que le circuit te manque?
Bien sûr, il y a des choses qui me manquent, l'adrénaline, les voyages, l'esprit d'équipe, mais voilà, il était temps pour moi d'arrêter, et puis j'en ai bien assez profité, bien plus que plein d'autres qui auraient mérité d'en profiter autant que moi. Et puis je me refais ma petite famille dans les médias, voilà, je retrouve un esprit de groupe différemment ailleurs. Et maintenant, tu viens commenter pour ces jeunes qui proposent de très belles choses derrière, avec un 76.3 pour Lou Barin, qui avait pris la deuxième place du run 1. Oui, juste derrière Tess. Tess le 2, la star de la discipline, championne du monde. C'est parti, sur la petite. Alors ça, c'est Ivana de la Clusaz. Ivana qui avait raté son Blondin. Premier essai. Ok, le switch 5, un petit peu raide dans l'air, mais ça pose. La main touche pas. Difficile à dire. 49.3 tout à l'heure. Oui, c'était... alors je pense pas que ce sera mieux. Elle avait fait troisième sur les championnats de France, ici même, aux Arcs, l'an dernier. Et pour l'instant, bah, c'est pas super bien parti pour Ivana. Pour Ivana. Alors je t'ai posé la question avant de prendre l'antenne, je voudrais que les téléspectateurs le sachent. Qu'est-ce qu'on regarde en l'air ? Alors, en l'air, on regarde trois choses qu'on groupe en une seule, mais les trois critères sont l'amplitude, la hauteur, le fait d'aller assez haut et assez loin pour avoir un joli airtime, du temps en l'air. On va regarder la difficulté du saut, un tour, deux tours, la tête en bas, pas la tête en bas, l'axe de rotation, la nouveauté. Et le troisième critère, c'est le style. C'est vraiment très important chez nous dans nos disciplines, c'est de faire quelque chose de joli, de fluide, qui donne plaisir à regarder. Et ça passe par les grabs, donc la façon d'attraper son ski pour donner un style différent à la rotation. 53.7 pour Ivana et Tesla 2, la grande star de la discipline que vous retrouverez bientôt dans le spot avec Mathilde dans 15 jours. Avec... Mathilde qui a fait quelques interviews et là, ce beau saut. Oui, un cork 900 à gauche. Elle a fait le switch 1000 tout à l'heure. Là, c'est le cork 900 à gauche. Voilà, pour Tess, c'est le cours préparatoire. Hein. C'est la répétition de ses gammes, très clairement, parce que voilà, elle a pas besoin d'aller prendre des risques, à faire c'est des le début de saison. Quoi. Exactement. Ben oui. C'est surtout que le niveau en face, il y a pas de concurrence, aucune nécessité d'aller faire des doubles rotations et tout, ou de prendre des risques. Voilà, là, elle est là pour aujourd'hui, elle est là pour donner des points aux plus jeunes. Elle est là parce qu'elle a un niveau tellement international qu'elle permet à la compétition de prendre de l'ampleur. C'est-à-dire, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est plus un acte de générosité que de venir chercher absolument une médaille. 83.7, toujours première pour donc ce passage des filles et les jeunes, les minimes. C'est parti. C'est parti pour les kids. Les kids avec Mathis Rottier. Ah, Mathis qui fait un 720 tail grab et qui a changé de table. On l'a vu faire un saut sur la petite table tout à l'heure. Donc là, il est passé sur la grosse, il s'est upgradé. Et c'est super. 14 ans hein, quand même, le garçon, ça envoie. Eh ben ouais, deux tours sur lui-même avec l'arrière de son ski attrapé et un saut de 25 mètres de long, impeccable. Truc normal quoi. C'est... À 14 ans. Ouais, 14 ans, voilà. Moi j'ai un garçon de 12 ans qui rêve de faire partie de la freeski ici. Et qui est devant son écran comme vous, qui profite et qui se dit bah voilà, là les gamins ils ont 14 ans, c'est juste énorme. C'est pour moi, j'arrive bientôt. Eh oui, maintenant c'est vous Greg qui allez baliser. Et on attend le résultat de Mathis Rottier. Et les jeunes qui se préparent, on rappelle donc qu'ils sont en tout 4 minimes, 13-14 ans. Et Mathis Rottier, le score dans quelques secondes. On attend son score sous peu. Eh bien, c'est pas grave, si on l'a pas, on va passer. Tout à l'heure, c'est pas grave. On aura le score de Mathis dans quelques secondes. Pour l'instant, c'est Romaric Crétier de la Plagne qui va se préparer, qui se prépare sur la petite table. 15 mètres tout de même. Et 70.3 pour Mathis. Allez, c'est parti pour Romaric. Qui a tout à l'heure fait 73. Avec un 720, cork 720 à gauche. Relativement propre. Troisième des minimes. Troisième du premier run des minimes. Le Plagnard, et on a dit que comme aux Arcs, à la Plagne et dans d'autres stations, mais il y a un beau vivier de jeunes
qui, on l'espère, seront pour certains très vite sur les plateaux internationaux et sur le circuit. Bah oui, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Après, comme on disait tout à l'heure, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, de ne pas se blesser. 67.1 pour Romaric Crétier de La Plagne à suivre. Alexandre Gumuchian, des Deux Alpes, 13 ans. Ouais, qui a commencé sur la grosse table directement tout à l'heure. Bestrix Bio 720. Ah, qui passe sur la petite. Voilà, donc lui, il a voulu assurer d'abord la difficulté pour se donner un petit peu d'air tranquille pour le deuxième saut. On switch. Il passe en arrière. Et on a le switch 720. Et pourquoi est-ce qu'ils réatterrissent tous dans le centre de... Alors, vu que le saut est plutôt taillé sur le côté droit pour nous quand on est face au tremplin, je pense que dans un souci d'être sûr de replaquer dans la réception, il y a une petite tendance à décaler comme ça sur la gauche. Ça se fait un petit peu naturellement. Il avait proposé tout à l'heure, il avait donné un 77. Les juges l'avaient offert un 77. Il était deuxième du premier run. Reste-t-il... Ils sont sur le podium pour l'instant, ça c'est sûr. Parce que son copain Clément Naudin, 13 ans également, va passer. Et lui avait fait le meilleur score avec un 83. C'est noté sur 100. 68.5 pour Alexandre. Content du niveau pour l'instant de ce que peut proposer. Ouais, c'est super. C'est super, sachant que c'est les finalistes. Il y avait 70 participants hier. On a gardé la crème de la crème. Hier, c'était sur le Bestrix. Hein, ils avaient deux runs à faire. Et on switch. Pour Clément Naudin, des Deux Alpes. Un des meilleurs avec français. Un très joli switch 720 avec un mute. Bah, je crois qu'il a posé les mains en réception et qu'il est plutôt... C'est un signe de déception. C'est un petit genre... Ah, ils sont compliqués ces riders à comprendre, à analyser de loin. Et peut-être je me trompe, Greg, et c'est vous qui avez raison. Franchement, non, je ne me permettrai pas. Ma galanterie fait que tu as raison. Okay. Ouais. On attend le résultat de Clément Naudin. C'était un très beau saut. En tout cas, on voit un petit peu la différence avec les autres dans la maîtrise, les grabs tenus plus longtemps. On a un peu parlé du matériel. À chaque type de glisse, son ski. Oui, effectivement. Alors bon, dans le freestyle, on est sur des skis double spatulés, quoi qu'il en soit. Donc, c'est-à-dire une spatule à l'avant, mais aussi une spatule à l'arrière pour leur permettre soit d'arriver en switch, en arrière, soit de reposer en switch. Après, sur les big airs comme ça, il faut une bonne glisse, donc il faut des skis bien préparés, bien fartés. Donc souvent, il y a des ski tech au départ, hein, des mecs qui sont vraiment payés que pour ça, et qui jaugent la qualité de la neige et qui choisissent le fart adéquat. Et puis, sinon, on pipe, on a besoin d'avoir beaucoup de car. C'est quelque chose qu'eux n'ont pas trop besoin d'avoir des prises de car, qui sont assez dans l'axe. 71.8 pour Clément qui reste en tête. Et là, vous avez donc la start list des seniors, juniors de l'élite, de ceux qui envoient du lourd et qui vont nous proposer encore un très beau show. Eh oui, les meilleurs Français. C'est Antoine Adlis qui partira en avant-dernier, qui avait proposé le plus beau saut. Oh, c'était gros, mais c'était peut-être presque trop gros. Pour Charlie Drummond. Un Rodeo 900, je dirais. Le local étape. Alors, Charlie Drummond, c'est le local. C'est le petit jeune qualifié de la Frisky Académie des Arcs. Donc, il a tout son public et tous ses coachs qui le regardent. Là. Ah là, petite, oui. Petite donc, pression pour Charlie. Plus des autres, il a la pression mentale, effectivement. Mais plus on l'apprend jeune et plus on arrive à en faire quelque chose de bien après. Charlie qui a 19 ans, seul représentant des arcs pour cette finale, mais il en fallait un, il est là. C'est un des meilleurs du Royaume-Uni parce qu'il a la nationalité britannique. D'accord. Charlie Drummond qui a obtenu 74.3. Et les juges donc, ils sont en train de discuter, comme vous pouvez le constater sur vos écrans. C'est collégial, voilà, il faut que tout le monde se mette d'accord. Oui, ben, c'est l'esprit, hein. C'est pas, on n'est pas dans le patinage artistique. Là. Et je ne dénigre pas le patinage artistique. Mais non, c'est pas le même type de jugement. Exactement.
58.3. Petite déception pour Charlie, 74.3 puis 58.3. Pour l'instant, c'est, voilà, il n'est pas au niveau de ce que vous verrez sur la fin de ce deuxième run. Et Hugo Legier des Deux Alpes. Départ en switch pour Hugo avec un switch double 1000. Switch double 1000, il a 24 ans, spécialiste du slopestyle, 24 ans dans 15 jours. Hein. On va pas trop le vieillir. 77.3 sur le premier run. Hugo Legier. Je pense le rider français le plus agréable à côtoyer, gentil, drôle, mais drôle. C'est un bonheur, quoi. Un bonheur. Et apparemment, il est sur le circuit Coupe du Monde depuis l'âge de 16 ans. C'est le bout en train de l'équipe. Bah hein. Oui, ouais. C'est le mec qui a tout le temps le sourire, quoi. Et il en faut. C'est tellement agréable au quotidien. Ça met la joie à tout le monde. Et puis. Et puis drôle, quoi. Il fait des conneries, mais des trucs personne, ça ne serait passé dans la tête de personne. Maintenant, il en faut des gens comme ça avec des idées un peu marginales pour s'amuser, en tout cas, et pour faire rire les copains, les potes, parce que c'est une histoire de bande là-haut. Ils sont tous en train de discuter, ils se connaissent, ils suivent toute l'année en fait. Oui, plus ou moins, bien sûr. Et sur les réseaux, ils se tirent la bourre aussi. Et puis ils font pas que des compètes. Ils vont tailler des kickers dans ce qu'on appelle le backcountry, donc l'arrière pays. Dès qu'il y a un peu de neige fraîche, on prend la pelle, on va tailler des sauts qu'on fait soi-même dans un endroit qu'on a trouvé pour aller faire des photos, faire des films. On est à l'ère des réseaux sociaux et il faut exister autrement que par juste la compétition. C'est typiquement l'esprit freestyle aussi, ça. C'est la compète, c'est super, c'est bien, mais pour la plupart, il n'y a pas que ça. Ils aiment créer et amener quelque chose de visuel. 69.3 pour Hugo Legier et Nathan Thébault de La Plagne, un voisin qui a obtenu une note un peu basse tout à l'heure, 43. Oh, double bio. Avec une réception hyper basse, donc grosse amplitude. Oui, là, on va être largement au-dessus des 43 points de tout à l'heure. Donc voilà, avec le bio, aussi appelé Misty, c'est-à-dire un axe désaxé vers l'avant. On voit vraiment que ça part comme un peu un front flip, une rotation avec les épaules qui partent devant. Il ne pouvait pas faire moins bien, hein, sauf s'il avait fait une grosse chute, mais... Oui, par rapport. Des championnats de France de Bigard, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, non ? Putain, tu le fais sans lunettes. L'année dernière, c'était aux Arcs aussi. Ah, moi, d'accord. Ouais, c'était aux Arcs en fin d'hiver. Ah, bon. Ouais, c'est ça, moi, ça passe sans lunettes. Ouais. Mais il n'y avait plus trop. Hein. Non, il n'y avait plus trop. Bah, en fait, c'est redevenu dans la discipline. C'est pour te dire, ça crache dans mon oreille. Tu vois, mais nous aussi, c'est pas très fort. Et après, si tu t'adresses ce parc, et tant mieux pour vous et pour nous. Non, on va pas se plaindre. Il y a beaucoup de neige. Faut venir, faut en profiter. C'est la fin des vacances scolaires, mais la neige, c'est toute la saison. Et il y en a beaucoup. C'est bien tombé. Bah oui. Est-ce que toi, t'as le temps d'en profiter un peu quand même? Alors moi, j'enseigne pendant les vacances. J'ai aussi monté des stages de freeski de l'autre côté à La Plagne, mais plus axé pour le grand public, pour venir se frotter un petit peu aux nouvelles lisses et leur donner un petit peu de billes pour en faire. Alors on a eu un petit souci technique. On s'excuse, on attend le score de Raphaël. Et là, c'est Vincent Maravo de Font-Romeu Pyrénéen. Avec le double cork 1006. Est-ce que tu vois une différence entre le premier et le deuxième run, où tu vois que ça se calme un peu, ou il y a certains qui accentuent? Alors par exemple, typiquement, Vincent a déjà fait un double cork 1006 tout à l'heure, donc je pense que là c'est dans l'autre sens. À moins qu'il ait voulu le refaire pour tenter d'améliorer sa note, mais je pense pas. Là, difficile, comme on n'a pas d'écran de retour, difficile de pouvoir vraiment être précis sur cette chose-là. Bah, sur les sauts d'un run à l'autre, parce que ça fait quand même une quarantaine de riders à la suite. Mais je vois que tu es quand même extrêmement concentré. J'essaie. Je me souviens de ce qu'ils ont fait précédemment. J'essaie.
92. Et il prend 92 points. Ça lui fait Vincent. Deux gros scores. Alors on peut dire qu'il fait un super bon début de compète parce que là, il met la pression sur les autres. 86, puis 92. Je rappelle qu'Antoine Adlis a obtenu 93,3. C'était le meilleur du premier run. Avec un triple. Andreas Herrantz, des Deux Alpes, 17 ans. Lui, j'allais pirer Ouais, j'allais vous dire, c'est pas chute. Du tout bien parti. En fait, on voit dès le départ qu'il n'a pas pu pousser correctement, comme je vous le disais, sur le take-off, la sortie du saut. Et du coup, il n'y a pas la hauteur. Donc ça tourne, mais on voit que la réception va être très compliquée parce que du départ, on n'a pas la hauteur. C'est généralement des situations qui sont très difficiles à rétablir. Ah ouais, c'est quasi impossible, à part si on est un chat. et puis c'est le truc, c'est que c'est long parce que les 3 secondes en l'air, quand tu sais que c'est pas bien sorti, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas te manger. Espérons qu'il se soit pas fait trop mal. Non, il a un peu tapé sur le côté. Ça fait partie après aussi des risques du métier. On le rappelle que ce sont des professionnels. Hein. Voilà, une note 22,7. Sans conséquence. Voilà, ça comptera pas. On rappelle que c'est les deux meilleurs qui compteront. Il y a 3 runs. C'est les risques du métier, on le disait. Voilà, les blessures, l'entraînement est très important et ils passent leur temps à s'entraîner. Donc ne faites pas ça si vous n'en avez pas les moyens techniques, physiques ou si tout simplement vous n'êtes pas skieur freestyle. Allez, Cathy Gomis. Oh, le switch double 1000, mais avec très peu d'amplitude. Donc on voit la différence avec ce qu'on a de l'amplitude. Il y a une rotation qui tourne très vite. C'est pas pour autant qu'il fait plus de tours, mais ça tourne très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour tourner en l'air. 80 tout à l'heure. Et là, oui, que va-t-il nous proposer rider de la Clusaz. Ils sont nombreux à la Clusaz pour ces finales. Ils sont 6, 4 de la Plagne, 4 des Deux Alpes et un Arcadien. Hein, on l'a vu tout à l'heure, Charlie Drummond, qui est surveillé par la Friski, organisatrice de ce bel événement sur le snowpark des Arcs. Merci d'être avec nous. Je vous invite à nous regarder sur YouTube si vous ne pouvez pas rester devant votre télé maintenant. Partez dans la rue avec votre téléphone, votre tablette. Et suivez-nous sur Insta, à Trek TV, sur Facebook. Et demain, la rediffusion, ce sera à 11h30. Et restez aussi sur Trek après ces championnats de France de Big Air avec un programme Barclay Addict. On en reparlera plus tard. 64,3 pour Cathy Gomis. 64,3. Eh oui, voilà. Donc le critère amplitude a été retenu et a impacté la note. Alex Raymonet de la Clusaz, 23 ans. Et il part en arrière. L'amplitude. Avec un switch double 1002, je dirais un petit peu bio, c'est-à-dire désaxé un petit peu sur l'avant. Alex qui avait obtenu 67,7 sur alors le il devrait run. Avoir une meilleure note. Les garçons, on arrive quasiment à la moitié hein, pour les seniors et juniors. 16 en finale. On rappelle qu'hier, il y a eu les qualifiés. C'est 70 en tout, toutes sections femmes, minimes et seniors juniors confondus. Avec un programme un peu différent. Hier, c'était au Best Tricks, la meilleure figure. Et là, bah, il faut faire trois sauts, hein, 3 runs. Et on n'en gardera que les 2 meilleurs. Oui, c'est-à-dire qu'il faut proposer au juste 2 axes de rotation différents pour avoir le droit de les compiler, ces points. Toi, avec la suite de ton programme, je sais que tu vas continuer à commenter à la télé prochainement. Et, et un peu des projets ski, purs ou pas Oui, avec cette Friski School que j'ai montée en partenariat avec Elle Pro sur la station de La Plagne. Donc, on propose des stages aux ados pour leur faire découvrir tout. Comment on sert d'un Arva, comment on skie dans les sapins, comment on peut faire du ski de boss, comment on peut essayer de faire un 360 au parc. Voilà, c'est pas freestyle, c'est vraiment freeski. On essaye de balayer tout ce qui se fait en ski. Exactement, exactement. Et ce qui peut être intéressant de découvrir quand on a une quinzaine d'années. Et des jeunes qui sont des fins connaisseurs de la montagne, tous ces jeunes hein, qui, quand ils font notamment partie de la freeski, comme tu dis, on leur apprend à servir d'un Arva. On part équipé. 78,5. Oui, donc mieux qu'à son premier saut.
Bah oui, c'est toute une histoire de transmission, hein, finalement. C'est vraiment ça, hein, c'est de pouvoir donner aux plus jeunes ce que le ski nous a généreusement donné à nous. Nathan Arbonnier, Frisno, Gapensais. Une sortie un petit peu compliquée pour lui, et du coup forcément une réception qui va être compliquée aussi. Il s'était offert quand même un 88.3 sur le premier saut. Eh bien, il aura une deuxième chance de mettre sur les pieds ce saut-là. Deuxième et dernière chance. Avec bien sûr à la clé le titre de champion de France et des points pour intégrer le circuit international. 25.3, voilà, pour l'instant c'est, on va dire, la plus mauvaise note, 25.3. Ouais, c'est une note de chute, quoi. Ça compte pas, il y en a encore un derrière. Avec le suivant, Elliot Gori, Plagnard, troisième l'an dernier ici. Eh oui, jeune Elliot. Allez. 20 ans. Et il arrive en switch. Avec le switch double cork, avec le double grab en octopus. Traduction de l'octopus en français. Le pieuvre, le poulpe. Le poulpe, bien sûr. Voilà. Bien vu, bien vu, Greg. Vous avez compris, je suis bilingue maintenant. C'est ça, totalement. C'est ça. Je ne parle pas tout à fait freestyle, mais je parle poulpe. Ouais, excellent. On profite pour saluer Monsieur Poulpe, j'adore. Très drôle, très drôle. Des belles vidéos aussi. 72.3 pour Elliot Gori de la Plagne tout à l'heure. Maintenant, on attend donc le résultat de son second run. Et je vous le disais, à suivre tout à l'heure sur la chaîne, 18h35, Barclay a dit que c'est un marathon, une course mythique, que seuls 15 coureurs ont terminé, 5 fois une boucle de 32 km avec 4000 mètres de dénivelé, gros trail, 60 heures maximum. Ça se passe dans la forêt de Tennessee. Vous découvrirez des portraits à 18h35 sur notre chaîne, sur Trek. Et bien sûr, la semaine prochaine, vous retrouverez le spot avec Mathilde. On vous donnera tout le programme et on fera un très beau live avec la Spartan Race, cette course à obstacles qui habituellement se fait en terrain boueux. Et là, ce sera en terrain neigeux du côté de Valmorel en fin de mois. Et on parlera également Télémare sur Trek TV. J'aurai le plaisir de commenter une étape de Coupe du Monde de Télémare. Oui, il faut être polyvalent, il faut être couteau suisse. Dans bien sûr, bien sûr. On est des petits sports, on est des sports avec peu de visibilité, alors il faut tous les connaître. Et il en faut, et il faut de la visibilité parce que c'est très beau, c'est du très grand spectacle et on peut l'apprécier même si vous êtes néophyte. On comprend tout de suite qui fait bien, qui fait moins bien, mais surtout qui envoie du gros niveau. Et les juges qui discutent, donc ça, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'ils viennent de voir. Ouais, c'est particulier que ça traîne comme ça, il y a peut-être un petit souci d'ordre technique. Est-ce qu'on, comme on peut le faire sur d'autres disciplines, on réchappe un moment sur ce Big Air ou parce que oui. La météo le permet, on ne touche à rien? Non, alors sur la réception, je pense qu'il n'y aura aucun travail de fait. Maintenant, sur le kicker, vu qu'il fait chaud, ça fond un petit peu et les skis viennent ancrer la neige et faire des traces. Donc, très régulièrement, il y a les shapers qui viennent avec un petit râteau et qui retirent la neige pour vraiment repositionner le saut et que ce soit bien lisse. Et que ça donne à chacun à peu près les mêmes conditions de saut. 83.9 pour Elliot Gori de okay. La Plagne. Et à suivre, Timothée Sivignon de La Clusaz. Timothée qui est très jeune. Et 16 on voit ans. Que ça pousse au départ. Hein, ça doit... Plus il fait chaud, moins la neige glisse. Plus il faut pousser au départ pour prendre la vitesse nécessaire. Waouh, ouais, je pense qu'il s'est un petit peu perdu. Ça peut emballer en l'air. On peut vraiment se perdre. On peut. Ouais. On peut complètement se perdre en l'air. Ce qui est terrible. Hein, ce qui est terrible. Alors il y a des athlètes à qui ça n'arrive jamais et ça n'arrivera jamais, qui sont complètement immunisés, faits pour ça. Pas, et il y en a certains qui des fois se perdent. Ouais. Bah ouais. Perte de repères. Et après une fois qu'on a, du moment où on est perdu, se retrouver c'est quand même très très compliqué. Ça tourne à une allure. Faut se rendre compte. C'est une centrifugeuse en l'air là. Quand tu commences à faire deux ou trois tours. D'où le regard, le repère au sol. Il faut pas. Faut pas se perdre. Oui oui. Tout à fait. Dont on parlait tout à l'heure. 37 pour Timothée. 37. Qui avait fait tout à l'heure 82.8. Et à suivre, Paul Vieuxtemps, qui court pour la Thaïlande. Oui, c'est un International Open. Mais comme on le disait,
même s'il venait à gagner, à être le premier, il ne sera pas champion de France. Paul Vieuxtemps, 84.2. Ouais, Paul qui a été assez impressionnant sur son premier saut avec beaucoup d'amplitude et une qualité aérienne assez sympa. Et le double cork dans l'autre sens, je pense qu'il a proposé le miroir de son premier saut avec un mute grave. Et on attend le résultat de Paul Vieuxtemps. Ouais, qui à l'addition des deux devrait être pas trop mal placé, hein, on peut dire. Ouais. Il vient de Gap et il a fait 21e à Pékin cette saison. Il s'entraîne avec la Free Snow dans les Hautes-Alpes. On arrive sur la fin du deuxième run des garçons, des seniors, ici aux Arcs, avec des conditions météo qui ne bougent pas, c'est-à-dire que c'est du bleu, du blanc, du bleu, du blanc. Oui. Le blanc pour la terre, pour en tout cas la neige, et le bleu pour le ciel. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir vous proposer ce spectacle dans ces conditions. À mes côtés, Marie Martineau, grande figure du ski freestyle, qui a fait les heures de gloire du pipe. Fut un temps. Fut un temps, mais c'est pas si lointain que ça. Et qui peut apprécier et nous donner toutes ces vues sur ce que l'on peut voir et vous expliquer. 70.2 pour Paul Vieuxtemps et Benoît Buratti à suivre. Eh oui, alors j'écoutais tout à l'heure indiscrètement et j'entendais dire qu'une session avec le sunset, le coucher de soleil, s'organiserait après la compétition pour faire des photos, des vidéos. Donc voilà, ça conforte ce que je vous disais sur l'esprit freestyle. La compétition fait partie de l'esprit freestyle, mais le reste aussi. Il était deuxième du Big Air ici l'an dernier, vice-champion de France donc. Et Benoît Buratti qui a eu une note de 90.3, le garçon de la Clusa. À son premier saut. Donc maintenant on attend le deuxième. Ouais, c'était un très beau deuxième saut, bien réalisé. Je pense que ça va faire une addition de points assez intéressante. Hein. Oui, c'est toujours Vincent Marabout qui est en tête avec l'addition des deux premiers sauts. C'est possible que Ben vienne le détrôner. Et on attend donc les trois derniers riders. On rappelle qu'ils sont partis dans l'ordre inverse de leur résultat des qualifs, c'est-à-dire que le dernier des qualifs est parti en premier et donc le premier des qualifs partira en dernier. Et c'est Axel Le Palab au soir. Et juste avant, il y aura Antoine Adlis de La Plagne. Et là, on attend dans le start Dylan Guyot Magnin. En gros, on attend les trois meilleurs de la veille. Donc, je vous conseille vraiment d'ouvrir les yeux parce que là... C'est le champion de France qui va s'élancer, le champion de France en titre, qui donc défend sa médaille, qui défend sa première place sur le podium. Est-ce qu'on a un score pour on Ben Buratti? Le score de Benoît. Non, pas encore. Il est dans le kiss and cry. C'est là où donc, vous l'avez compris, hein, soit on est heureux, soit on ne l'est pas. Et vous êtes toujours en direct pour cette Launchpad Les Arcs, championnat de France de Big Air, partenariat Trek TV. Une exclusivité donc, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Et si vous ne le voyez pas, vous le reverrez demain. 87.3 pour Benoît Buratti. Qui nous fait un joli total, il doit prendre la tête. Hein. Oui, 90.3, 87.3, on va faire les calculs. Et ouais, à suivre quand même devant, des garçons qui ont fait des beaux scores. Bravo. Des beaux scores comme celui de Dylan, 83.5 au premier run, c'est parti. Ouais, qui arrive en switch sur la première table, avec un switch double 1080, assez clean, hein, bien réalisé, mais par contre pas très très technique pour venir rivaliser quand même avec ceux qui trustent le podium pour l'instant. Voilà, on a quand même vu des switches double 1004, des switches double 1006, donc déjà plus de rotation. On en a vu des plus propres, on a surtout vu des plus gros. Donc c'est propre, c'est nickel pour le champion de France en titre, mais c'est pas non plus ce qui va pouvoir venir titiller les meilleurs. Hein. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon rider en slopestyle et un bon rider en big air?
En Bigard, il n'y a vraiment que du saut. Et souvent, il est plus gros. Alors, en slopestyle, il faut montrer une diversité. Puisqu'il y a trois sauts à la suite, il faut être capable d'en faire trois différents. Et puis, il y a les rails qui arrivent après, donc toute une des lignes de rails. Donc, les rails, c'est des box, c'est des espèces de barrières en fait en fer sur lesquelles on monte si on vient slider. Donc, ça demande encore un peu plus de travail pour être capable d'être aussi bon sur les lignes de rails que sur les sauts. Et on attend le score de Dylan Guyot Magnin. ...77 pour Dylan Guyot-Magnin. Voilà. Et les deux derniers à venir, deux gros noms, Antoine Adlis, Axel Le Palab. Eh oui, qui se sont tirés la bourre hier et qui a priori sont bien partis pour recommencer. Et comme tu le disais, Antoine n'a peut-être pas forcément apprécié de finir deuxième des qualifs. Donc il est parti avec un gros double. Et là... Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Il est en prénose, je pense. On ne voit pas d'ici. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il sort. Boum, c'est parfaitement réalisé. Il va prendre des gros points. Je vous explique le prénose parce que ça me fait vraiment plaisir. Antoine, il a amené quelque chose de nouveau sur la scène internationale. Il arrive avec un saut où il a déjà son grab en main dans le kicker. Donc, il sort du kicker et est capable de lancer sa rotation et d'avoir un bon take-off malgré le fait qu'il est déjà en train de graber. C'est super stylé. C'est surtout nouveau. Et on aime la nouveauté dans le freestyle. On aime les gens qui créent. Et donc voilà, il apporte quelque chose. Là, pour le peu, c'était juste propre. Parfait. Très propre. Très propre. Il pose magnifiquement. Alors Antoine, c'est une bête de concours au niveau musculaire. J'ai fait quand même quelques séances de muscu avec lui. Lui qui avait les meilleurs résultats. C'est lui qui pousse le plus de fonte. C'est une machine de guerre, je veux dire. Parce que, on le rappelle, c'est du sport de haut niveau. Ah bah là, pour poser sur 30 mètres de long, quand on monte à 10 mètres de haut, il faut des solides cuisseaux. Mais ce qui est assez terrible pour un skieur moyen, c'est que ça a l'air tellement facile. Bah ouais, mais c'est ce qu'on veut en même temps, alors tant mieux si ça vous a paru facile, c'est que c'est vraiment bien fait, mais effectivement en fait c'est un métier. Des heures de travail. C'est un métier. Et on attend le résultat 92.7. 92.7, et voilà, oui. Il est largement devant, hein. 93.3, oui, 92.7. Garde la tête. Et le dernier à s'élancer pour ce deuxième run, dernier garçon junior senior, c'est Axel Le Palab que vous appréciez en direct sur Trek TV et sur YouTube. Dites-le autour de vous, venez nombreux derrière votre écran, regardez ce show, écoutez Marie Martineau et on va retrouver dans quelques instants Mathilde Blestex, la grande patronne du spot hein, qui va venir avec des invités pour parler de ce snowpark, entre autres, snowpark magnifique où la compétition est intégrée dans le snowpark. Elle ne se fait pas devant sur un front de neige, on est vraiment au cœur du domaine. Et c'est parti pour Axel Le Palab. Eh oui, le dernier de ce deuxième run de finale avec un magnifique double cork 1260. C'est très propre, il y a de l'amplitude. Peut-être qu'en technicité quand même, ça va commencer à pêcher un petit peu. Dans le sens où voilà, on a vu des choses un peu plus techniques. Et ce que je disais tout à l'heure, ce que j'apprécie, c'est ce différence de rotation, ça part doucement et ça accélère ou l'inverse. Oui, oui, et oui. C'est oui. Très artistique, très et esthétique. Puis ça démontre une maîtrise totale et parfaite, quoi. Donc voilà. On attend le score du dernier à passer qui avait obtenu la note de 87 sur son premier run. Axel Le Palab au soir. Oui, ça ne viendra pas prendre la première non, place. Non, on rappelle que c'est Antoine Adlis. Ah, Antoine Adlis, quoi. Alors, test le 2 pour les filles sur ce deuxième run. Clem Naudin pour voilà, le deuxième. Et on va garder en fait les mêmes hein, pour les deux runs qui sont donc Antoine Adlis, test le 2 et Clément Naudin. On rappelle qu'il y a trois catégories. Les filles, les kids et les grands. On va attendre le score, mais Mathilde Boulestex est de retour avec nous. Mathilde, très heureux de vous retrouver, de te retrouver. Je vais changer de casque, changer de micro. Eh bien, ça se passe pas trop mal, je trouve. Hein. On s'entend bien tous les deux. Ça se passe très bien. Merci voilà. Beaucoup, Marie. Je vous retrouve pour la troisième manche. Mathilde, avec toi, des invités. Oui, je vous laisse vous avancer. Avancez-vous, messieurs. Frédéric Charlot, directeur général du domaine skiable des Arcs, ADS, et Arnaud Rougier, coach à la Frisky Academy. Merci d'être avec bonjour nous. Bonjour messieurs, très heureux de vous avoir sur le plateau de Trek en direct sur ces championnats de France finales aux Arcs, avec une première question pour parler du domaine. Oui, alors on a parlé de la philosophie des Arcs, on a parlé de la culture Frisky aux Arcs.
Avec vous, on va parler du domaine skiable, un immense domaine skiable avec des pistes pour tous, les débutants, les skieurs confirmés, les amateurs de sensations fortes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de ce domaine ? Je vais commencer par les équipes qui travaillent sur ce domaine, parce que c'est grâce à eux qu'on a un domaine aussi magique. Il y a environ 600 personnes qui travaillent pendant l'hiver sur le domaine skiable des Arcs. Alors, il y a tout le monde, des opérateurs de remontée mécanique, des pisteurs, des shapers de bosses. Et toute une équipe qui entretient ce domaine. C'est un domaine très grand, associé avec la Plagne, on est le deuxième plus grand domaine du monde. Et on l'a appelé Paradis Ski, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, une station peut se passer d'un snowpark ? Non. Non, et non seulement on ne peut pas s'en passer, mais en plus, encore faut-il qu'il soit au top niveau. Et j'espère qu'on est ici aux Arcs à la hauteur. Bah justement, avec ce Big Air et l'organisation de ces championnats de France, ça montre que les Arcs va continuer à organiser de très beaux événements, et notamment sur... Je trouve ça génial qu'on ait intégré la compétition au parc, qui est très bien shapé. Mais il y a une tradition aux Arcs. Hein. Les nouvelles glisses ont toujours existé depuis l'origine des Arcs. Et donc, on a à cœur de les maintenir à l'honneur. Et un snowpark qui permet à la Friski Academy de s'entraîner pendant l'hiver. Arnaud, coach à la Friski, sur cette compétition, quel est le rôle du coach en compétition, une fois que c'est parti, au start et après le run ? Bonjour. Du coup, nous, notre rôle, ça va être d'accompagner les jeunes et en fait, de faire en sorte qu'ils puissent faire ce qu'on a travaillé à l'entraînement. Et c'est des disciplines acrobatiques, donc des sports à risque, on va dire. Donc il faut arriver, on les aide à rester concentrés sur le moment et sur ce qu'ils ont à faire. Est-ce qu'il y a des petits mots au départ, avant que le rider s'élance sur son run, pour encourager, des petites anecdotes sur la ligne de départ ? Pas vraiment d'anecdotes, après à savoir que c'est pas vraiment... C'est pas forcément un sport où on va être derrière le coureur à lui crier dessus des gros encouragements comme ça. C'est plus des petits tuyaux techniques de dernière minute qui vont l'aider à revenir sur ses pieds. Et content de ce que tu vois comme show, comme spectacle, comme figure proposée ? Incroyable ce qu'on voit aujourd'hui. Là, on a vraiment la crème de la crème. Moi, je suis vraiment super heureux de voir que notre sport a évolué comme ça et qu'aujourd'hui, en France, on a des jeunes qui sont capables d'aller titiller les meilleurs mondiaux et bien plus. Hein, c'est vraiment de bon augure pour la suite. Et on a un Arcadien qui est en finale, qu'on suit. Tout à fait, ouais, on a donc Charlie Drummond qui est rentré en finale. On est super content pour lui. Voilà, un jeune en pleine progression qui va faire des étincelles dans les années à venir, j'en doute pas une seconde. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les conditions sont parfaites ? Vous en avez peut-être déjà parlé avec Marie. On va le redire. On a l'impression qu'il y a un tout petit peu d'air, mais pas trop. Il fait beau, mais en même temps, peut-être que ça change la neige. Est-ce que tu peux nous parler de cette dimension ? Les conditions sont idéales aujourd'hui. On n'a pas de problème. La neige reste fraîche, ça glisse. Il y a très peu de vent. Vraiment, nous, notre ennemi numéro un, c'est le vent. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Vraiment, on a un événement incroyable. Et je voulais vraiment insister sur le fait qu'on a une structure ici, là, une table qui est incroyable. C'est la plus belle de France. Tous les riders s'accordent à le dire. Particulièrement s'il y a un préform en terre, voilà, dessous. C'est vraiment pensé pour l'avenir. Voilà, tout à fait. Là, le travail qui a été réalisé ici, là, pour pouvoir proposer une table de ce niveau-là est vraiment... incroyable quoi. Donc on remercie à nouveau les Arcs de pouvoir nous donner un outil de travail comme ça. C'est vraiment top. Ça attire le touriste, une compétition au milieu d'un snowpark comme ça? Pas forcément, parce que là on est en dehors des vacances scolaires, mais enfin regardez, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui sont venus voir cette compétition. Et je vais te renvoyer la balle. Nous, on est très très fiers de soutenir les Arcs Friski Academy, parce qu'ils font un boulot formidable avec des tout jeunes jusqu'aux tout champions. Oui, c'est vraiment un travail collégial, un travail d'équipe, quelles que soient les équipes, mais en tout cas sur les Arcs, on défend donc le freeski, freeride, freestyle. Et là, c'est du freestyle aujourd'hui hein, aux Arcs, Mathilde. Oui. On se retrouvera tout à l'heure on avec... On se retrouve tout à l'heure. Bon dernier run au rider. J'ai une petite question pour toi, Mathilde. Oui. T'en penses quoi du show ? On vient de le dire. Les conditions toi, perso. Sont idéales. Moi, je trouve que c'est génial. J'en profite à fond. Tu as le temps un peu d'aller voir les riders quand ils sont au Kiss & Cry derrière. Je les ai vus sur la ligne à l'arrivée.
Voilà, ouais. J'ai croisé, pris quelques impressions et je pense que tous les riders sont d'accord pour dire que c'est une très très belle compétition et qu'ils prennent tous beaucoup de plaisir. Eh ben non, on vous prend beaucoup de plaisir à la présenter, Mathilde, Marie et moi, Mathilde, qui va repartir pour revenir tout à l'heure avec nos vainqueurs, avec les champions et Jules Bonner. Jules Bonner. Voilà, qui est le directeur technique sur cet événement que vous pouvez suivre en direct. Et ça va repartir dans quelques minutes avec les dames. Je vous remercie, messieurs. Merci, je vous souhaite une très bonne saison, très bonne compétition à suivre. Profitez. Voilà, je vais pas trop crier pour que vous puissiez apprécier ce show. Donc des champions de freestyle. Et on va retrouver Marie Martineau, grande figure du ski freestyle, qui retourne avec moi. On va changer de process. On va regarder ces casques-là. Plutôt, ça me va. Ça me va. Ces micros-là. La start list donc, des dames. On rappelle qu'elles sont quatre avec Jade Michaud, Lou Barin, Ivana Mermillot et Tess Ledeux. Et parmi elles, il y a la championne de France en titre, ce qui est Lou Barin. Et il y a la troisième de l'an dernier, Ivana. Et Tess Ledeux. Tess Ledeux qui est championne du monde et surtout qui domine la compétition, Marie. Oui, elle domine largement, mais c'est normal. Hein. Elle est dans une compétition nationale alors qu'elle a un niveau clairement international. Voire même, elle est dans le top 3 mondial, hein, Tess. Maintenant, elle est là par générosité parce que c'est bien. Ça fait une compétition avec un plus gros niveau, donc plus de points pour les plus jeunes. Elle est là pour leur montrer aussi, leur faire prendre de l'expérience, leur montrer des nouvelles figures qui pourront les inspirer, c'est plus jeune, plus tard. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Une figure, ça se travaille en combien de temps ? Ah, il faut bien une année pour être sûr d'avoir une figure. Parce qu'une figure, tu la prends. Après, elle rentre plus ou moins régulièrement à l'entraînement. Et puis après, avec le stress de la compète, eh ben, y a encore un petit peu de travail pour être sûr que c'est une figure que tu peux lancer en étant sûr que tu vas faire les points. Donc il faut une année, je dirais. Une bonne année pour préparer une figure. Oui. Ils ont déjà fait deux runs. Le troisième, on compte les deux meilleurs. Et c'est Jade Michaud. Tout le monde est prêt là-haut. La Clusa, la première femme à partir pour ses derniers passages, dernier run. Vous dites la première femme, ça me fait rire parce que c'est une petite fille. Vraiment. Jeune femme. Oh là là, sur la grosse table. Joli. Le Cork 720, bah oui, elle est pitchoune, c'est énorme de se balancer sur des sauts d'une taille pareille. Donc voilà, le Cork, c'est-à-dire un désaxement, elle ne tombe pas à plat, hein, donc il y a déjà un niveau d'acrobatie hyper intéressant. Et puis deux tours sur elle-même, elle a essayé d'attraper le tail grab, donc c'est l'arrière du ski, on croise ses skis et on vient attraper l'arrière. Voilà, une réception un petit peu sur l'arrière, mais bon, vu l'amplitude, on ne peut pas exiger vraiment mieux de cette jeune fille, c'est déjà génial. 70 pour le premier run, 58-7 sur le deuxième. On attend donc la dernière note qui va déterminer son classement. Les juges sont à l'antenne, ça discute. On rappelle que, comme tu le disais Marie, c'est l'overall, c'est-à-dire qu'on regarde tout, l'amplitude, la réception, il y a aussi le airtime. Voilà, il faut que ce soit beau et fluide. Oui, il faut que ce soit stylé. C'est du freestyle. Mais il n'y a pas de coefficient. Il n'y a pas comme en patinage où on a, si tu fais la deux tours, c'est, voilà. Ça va être un coefficient de 1,3. Si tu fais trois tours, ça sera un coefficient. Là, il n'y a pas de coefficient et on ne veut surtout pas arriver dans ce genre de situation-là. On veut rester dans l'esprit du freestyle. C'est-à-dire on reste libre. Voilà, on est libre et on peut proposer des choses qui n'existaient pas avant pour surprendre les juges. C'est plutôt chouette. 72,7, voilà, c'est son meilleur résultat sur cette compétition. Et à suivre, Lou Barin de Val Thorens, c'est la championne de France en titre. Elle a décroché son titre ici aux Arcs, oui. Il y a quelques mois. Elle vient le défendre. Alors Lou, elle a déjà fait pas mal de Coupes du Monde. Hein, donc c'est une jeune fille qui a déjà plus d'expérience et qui est souvent avec Tess sur les Coupes du Monde à l'étranger. Elle était sur le Big Air, elle était même en finale du Big Air, le dernier Big Air, City Big Air de la saison qui a eu lieu juste avant les vacances de Noël. Donc voilà, il y a plus d'expérience là. 74,3, 76,3 pour Elle a poussé, j'espère qu'elle aura assez de vitesse parce que tout à l'heure elle manquait un petit peu d'amplitude et là c'est mieux. Ah, malheureusement la réception. Ah, une réception un petit peu compliquée pour un Lou. Un saut à oublier pour Lou qui avait quand même obtenu de bons résultats hein, sur ses deux premiers runs. Ouais, c'était engagé avec le switch 1000. C'était progressif en tout cas pour Lou. 22,7 pour Lou Barin. Oui, bah oui, donc une note d'un saut chuté. On l'oubliera celui-là, mais ça fait quand même du très beau spectacle pour terminer cette compétition car on arrive sur la fin. En tout cas pour les femmes, ensuite il y aura les minimes, puis les seniors et juniors, les garçons et notamment Antoine Adlis, que l'on retrouvera dans le spot dans 15 jours avec Mathilde Boulestex et Tess Ledeux qui partira après Ivana, que vous voyez à l'antenne, Mermillot, Blondin.
qui part aussi sur la grosse table, Ivanois. Avec un gros cork 720. Ah, dommage, il y avait un petit peu trop de pieds. Alors, ça paraît un peu du jargon, mais alors mettre un peu trop de pieds, oui, c'est mettre un petit peu trop de désaxe. C'est-à-dire qu'on a un peu trop les pieds qui partent devant, donc la tête qui part en bas. Et on se retrouve avec une figure qui ne finit pas correctement. On n'arrive pas à reposer les pieds. On continue à passer trop devant. Et donc, elle fait une réception très, très en arrière. 49.3 et 53.7 pour ces deux premiers sauts. Mais c'était engagé, grosse amplitude, gros saut. On est dans la progression. De toute façon, ces jeunes filles, elles sont là pour apprendre. La saison est en cours, donc ça fait partie de l'entraînement aussi. Voilà, exactement, ouais. Greg, c'est tout à fait ça. Ça fait partie de l'entraînement. Et puis, les compètes comme ça avec de l'adrénaline sur un troisième saut, quand on sait qu'elle n'a pas bien réussi ses deux premiers. Donc, c'est un saut où elle peut se lâcher, se dire « Allez, je tente quelque chose ». Donc là, c'était sur la grosse table et c'était bien engagé. 23.3 pour Ivana. Et donc Tess qui va s'élancer, quand on fait le calcul de ses points, si elle venait à chuter, elle est largement devant. Et elle met un double cork. Légère chute, elle pose chute un petit peu. Pour Tess. Mais bon, voilà. Mais oui, profitez de ce que vous venez de voir, on va la revoir au ralenti parce que Tess le 2 est championne du monde. Vous nous reverrez demain. Hein. Suivez sur Trek, il y a une rediffusion demain à 11h30 sur notre chaîne. Alors là, Tess, elle a déjà gagné avant de faire le troisième saut, mais elle ne se contente pas d'y aller gentiment. Elle a voulu vous montrer que les filles aussi savent faire des doubles rotations, et notamment elle qui le fait très bien, donc le double cork en 1260, donc quasiment tous les mecs. Et donc voilà, c'est ce que j'apprécie chez cette jeune fille. Quoi. C'est pas parce qu'on a quasiment gagné qu'on n'en verra pas derrière. C'est du show, on rappelle le freestyle, voilà, ils sont là aussi pour le spectacle, ils aiment ça. Oh, et là, les jeunes qui viennent de partir. Un petit peu mal axé, du coup, une réception hasardeuse. Ils ont 13-14 ans, les kids, comme on dit, avec Mathis Rossier de Morzina Voria, 57 tout à l'heure, 73 pour son meilleur score sur les deux premiers. Pourquoi est-ce que là, depuis qu'on a revu le départ de ce troisième run, les garçons, il y a beaucoup de chutes? Alors parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont bien réussi leurs deux premiers sauts, donc ils essayent d'upgrader leurs notes et de faire mieux, et des fois en tentant des choses un petit peu plus compliquées ou qu'ils ont moins l'habitude de faire, parce que si ça rentre, et ils auront mis des gros points et puis ils auront pris d'expérience en ayant tenté quelque chose de plus compliqué. 35.1 pour Mathis Rottier et Romaric Chrétier maintenant de La Plagne qui va s'élancer. Eh oui, coaché certainement par Timothée, le jeune coach de La Plagne, qui était le coach de Tess au départ. Avec 73 et 67.1. Et il arrive de face sur le petit Big Air. C'est pas mal. Un cork 900, plutôt bien réalisé, avec de l'amplitude. Vous venez de voir à l'image sur ce Big Air, ces deux tables du Snowpark des Arcs. Romaric Chrétier, 73 tout à l'heure, 67.1, et il attend le score du garçon. C'est le dernier run pour tout le monde sur ces championnats de France. 50.3. Et oui, et on va bientôt arriver au garçon. Alexandre qui va s'élancer. Alexandre, lui, il est des deux Alpes. Gumuchian, il est tout jeune. Et lui, il aime le bio 700. Souvent sur les podiums des critériums jeunes français. Il se met sur la petite bosse, mais la petite bosse, on va le dire, elle fait quand même 15 mètres. Oui, et donc on peut rajouter 2 ou 3 mètres pour aller poser bien dans la réception au bon endroit. Donc voilà, un petit saut de 19, 20 mètres. Oui, c'est perdu. Et là, espérons malheureusement, ce ne soit pas fait mal. Ce genre de chute n'est pas bon parce qu'il a tapé la tête. Et là, je ne le vois pas, mais... On voit ses skis dans la récep. On va attendre des informations en espérant qu'il ne se soit pas blessé gravement. Le problème, quand la réception est mauvaise comme ça et qu'on pose vraiment en travers, les skis viennent accrocher, la carre accroche dans la réception. Et la dernière chose qui vient taper, c'est la tête. Et malheureusement, c'est un petit peu le point faible de tous ces athlètes. J'en fais partie. Hein, et c'est les chutes les plus terribles. Genre de choses. Oui, parce que les genoux, on les répare. Le dos, on le répare. Il y a plein de choses qu'on sait faire. Les traumas crâniens, c'est plus compliqué. Malheureusement, les traumas crâniens, les protocoles ne sont pas très, très aboutis encore.
Et dans tout ce qui est coma, on connaît encore pas trop les séquelles, on sait encore pas trop bien comment gérer les suites de ce genre de chute. Et c'est pour ça qu'on encourage vivement tout skieur, quel qu'il soit, à porter un casque. Faut pas hésiter à le dire. Moi, je porte même une dorsale pour tout vous dire. Franchement, mais vous avez tellement raison. Mais bien sûr. Et on se sent plus en sécurité. Et il y a du monde sur les pistes. Et donc, on n'est pas à l'abri de se faire rentrer dedans. Exactement. C'est clair que le casque. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces générations-là, les jeunes sont habitués, dès le plus jeune âge, à avoir un casque. Ce qui n'est pas forcément la génération des seniors. On en voit de plus en plus. Je ne sais pas si vous remarquez, mais même sur les pistes, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens casqués. On vous loue le casque maintenant gratuitement avec les skis. Quand même un gros effort de faire dans ce sens-là pour minimiser les risques. On attend des nouvelles de ce jeune Alexandre. Il n'a que 13 ans ça commence à vraiment envoyer, comme vous l'avez pu vous avez pu l'apprécier. Malheureusement, il a chuté. C'est la première grosse chute de cette finale de ces championnats de France ici aux Arcs, les Arcs Launchpad. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que pour le suivant, c'est un petit peu compliqué. Clément Audin qui doit arriver derrière. Là il devait partir, donc il est chaud, et puis finalement donc arrêt de course, donc il faut rester concentré, pas se refroidir, l'impatience s'installe, il faut gérer tout ça. Est-ce qu'il peut avoir un doute, le fait de voir un pote tomber? Bien sûr, alors il y a le doute de voir le pote tomber devant, il y a tes doutes à toi, tes propres doutes qui peuvent revenir s'installer, alors que quand t'es prêt à partir, ces doutes là s'en vont, donc c'est jamais évident d'être derrière celui qui a chuté lourdement. Et on voit le travail des équipes et des secouristes, des pisteurs qui viennent donc s'occuper d'Alexandre Gumuchian. Et Clément Audin sera le dernier à partir. Et Clément qui mène la danse chez les minimes. Je rappelle qu'ils sont tout jeunes, ils ont 13-14 ans et ils font déjà des choses spectaculaires. Demain, vous retrouverez donc ce show. Pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de le voir jusqu'au bout, mais je vous encourage à rester jusqu'au bout. Et tout à l'heure, à 18h35, Barclay Addict. La Barclay Addict, c'est une course mythique que seuls 15 coureurs ont terminée. 5 fois une boucle de 32 km, 4 minutes de dénivelé, 60 heures pour réaliser la plus longue distance. Et ça se passe dans la forêt de Tennessee, il y aura des très beaux portraits. Est-ce que toi, tu as le temps de pratiquer d'autres sports? Tu vas courir? Je cours plus trop, pour être honnête. Par contre, je fais encore pas mal de ski nautique l'été. J'adore ça. Et puis, je me suis découvert une passion un peu plus récente pour le squash. Très bien. Ouais, très, très bien. Puis, on a un AM juste à côté de chez moi. Donc, je t'avoue que... Il y en a aussi aux Arcs, des squash. Et c'est vrai que c'est là aussi hyper cardio. Hyper cardio, mais voilà, on peut faire assez court. Et puis j'aime bien courir après la balle et puis faire des petites feintes et mettre dans le mal mon adversaire. mais oui, et sinon le ski nautique, on est dans une région où la neige est omniprésente l'hiver, mais l'été, il y a des super blagues. L'offre du sport ici aux Arcs et dans la Haute-Tarentaise et même surtout l'arc alpin est quand même exceptionnel. Bien sûr. Vous aimez la nature, l'outdoor, pour avoir eu l'occasion de partir en refuge pas loin d'ici, en partant de la station, vous avez plein de choses à faire. Vraiment, venez profiter de ces belles images qu'on vous offre sur Trek TV. On attend des nouvelles d'Alexandre pour terminer avec les minimes. Il y a du monde, des touristes qui s'arrêtent, qui viennent apprécier le show. Oui, c'est assez impressionnant. Le voir à la télé, c'est déjà extraordinaire. Mais moi, ce que j'ai toujours reproché à la télé, c'est le fait que ça écrase parfois la bosse. Bien sûr, ça aplatit. Ça aplatit, on a l'impression que c'est pas si gros que ça. Non, et là, quand on est au pied de cette bosse, on se rend compte de ce qui se passe. Ouais. Même le bruit, la vitesse, le bruit donne la vitesse. On se rend vraiment compte que c'est assez impressionnant. Et là, vous voyez que les images sont très bien réalisées avec toute l'équipe que je salue. Greg, notre réalisateur, avec Seb, qui est dans mon oreillette. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont une vraie belle équipe pour proposer de vraies belles images. Et on a tout qui est réuni. Et moi, j'ai Marie à mes côtés. Mathilde qui va me rejoindre. Je suis vraiment bien accompagné. On est au top. On est au top, top. Je rappelle donc qu'il y a eu une chute d'Alexandre Gumuchian des Deux Alpes. On attend son pote des Deux Alpes également, Clément Audin. Et qu'ensuite arriveront les hommes avec Charlie Drummond qui est le seul représentant des Arcs. Il y en a pas mal de la Clusaz. Et qu'en tête de cette compétition pour l'instant, on a Antoine Adlis. Et nous retrouverons à l'issue de ce troisième run les vainqueurs. Donc Tess Le Deux sera à nos côtés, je peux vous le dire. C'est elle qui a gagné chez les filles. Et certainement, on verra, Antoine Adlis. Et je vois Mathilde qui revient
avec moi, qui est très bien accompagnée. Je l'annonçais pour la fin de la compétition, mais non. C'est allé plus vite que prévu. C'est plus vite. Viens. On va trouver pour Tess. Voilà. Sinon, on va changer de côté. Bonjour, Tess. Tu as très bien skié, Tess. C'était super propre. Contente de ce que tu viens de produire? Bah ça va, je suis un peu déçue de mon dernier saut, mais parce que je l'ai fait nickel hier, avant-hier, tout ça, mais c'est pas grave parce que. On se disait que t'étais assez génial parce que tu sais que t'as déjà gagné et t'as pas besoin de forcer finalement, et c'est pas grave, tu balances quand même un double et tout pour dire tiens, les filles, elles savent faire ça aussi. Quelle motivation tu trouves au départ? Bah, je sais pas, j'ai pas envie d'être ridicule à côté des garçons et montrer un peu de quoi les filles sont capables. Et c'est vrai qu'en France, le niveau progresse petit à petit et je trouve ça super. Et du coup, j'ai envie de pousser encore plus les choses et du coup, montrer un peu ce dont je suis capable, quoi. Et elle est comment cette table? Elle est super. Franchement, c'est top d'avoir un saut comme ça à la maison parce que je suis à une heure de ski d'ici. Et si j'ai envie de rider une grosse table, je peux venir ici m'entraîner et c'est juste formidable, quoi. Mathilde? Ah, toi, tu t'apprécies le spectacle et tu réussis à parler avec les athlètes. Écoutez, bah, j'ai croisé Tess, donc championne de France maintenant. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ce titre? Ce que disait Marie, tu as déjà eu beaucoup de titres, dont le titre de championne du monde, mais de rajouter encore un titre à ta très jeune carrière. Bah, c'est toujours un plaisir parce que, comme je le dis, je suis à la maison, j'ai ma famille qui est venue me voir et c'est juste top. Et de retourner avec tous les Français avec qui j'ai commencé la compétition, c'est un plaisir aussi. Et il y a toujours une super bonne ambiance et c'est pour ça que je suis contente de revenir tous les ans sur les championnats de France. Alors, je sais que j'ai pas le droit de tout dévoiler parce qu'on te retrouvera dans 15 jours dans le spot, mais c'est quoi la suite pour toi? La suite, il y a une Coupe du Monde la semaine prochaine à Foromeux et ensuite je pars le 18 aux États-Unis pour une tournée avec les X Games, du Tour, Coupe du Monde, tout ça. Donc j'ai trop hâte de partir. On en reparlera, Mathilde? On en reparlera donc dans 2 semaines dans le spot, puisqu'on était ensemble hier avec Tess pour une interview, faire le point sur sa carrière, sur la saison précédente et la saison à venir. Parce qu'ils sont hyper accessibles, on peut le dire, tous ces riders. À la différence de d'autres sports, c'est pour ça qu'on va quand même les saluer. Vous avez vraiment la gentillesse de venir répondre au micro des médias à chaque fois. Et je trouve ça vraiment sympa. Parce que t'es dans ta compète, mais tu viens. Non, ça fait plaisir. Enfin, c'est super cool d'échanger et de montrer un peu ce que c'est notre discipline. Et c'est toujours un plaisir de répondre aux questions, quoi. Qu'est-ce que tu as pu regarder des garçons? Tu disais que tu tirais un peu la bourre avec les gars, que tu voulais pas que les filles soient ridicules par rapport aux gars. T'as vu des choses là qui t'ont impressionné? Bah ouais, le niveau progresse tous les ans et c'est un truc de fou. Et c'est vrai qu'autant chez les filles que chez les garçons, j'aime bien retourner sur les compétitions en France justement pour voir le niveau progresser. Et il y a tous les garçons avec qui j'ai commencé le ski et j'ai envie de leur montrer que moi aussi j'ai progressé. Et du coup, c'est trop bien et c'est trop une bonne ambiance, quoi. Parfait. Tu avais un coach au départ, Tess? J'étais avec Greg, mon coach depuis 3 ans, qui me suit partout. Et sinon, pareil, j'ai retrouvé mes coachs du club, du comité de Savoie. Et c'est trop bien d'échanger avec eux et qui me donnent 2-3 conseils aussi. C'est cool de prendre plein de conseils de tous les côtés. On parlait tout à l'heure de l'entraînement estival. Alors moi, j'ai eu la chance de faire un entraînement estival avec l'équipe de France de ski de boss. Comment on s'entraîne l'été, toi, à ton niveau? C'est trampoline et le water jump? Moi, je fais pas de water jump, mais je fais beaucoup d'airbag. Après, l'été, je suis à l'école aussi, donc j'ai pas trop de temps, mais je fais beaucoup de préparation physique. Ce que ne dit pas Tess, c'est qu'elle passe aussi son bac cette année, donc une année très chargée. Grande championne. Ouais, voilà. Une année chargée, et du coup, je fais beaucoup de préparation physique, et à partir d'août, on commence à faire de l'airbag, et fin août, on est déjà sur les skis, quoi. Mais tu dois quand même penser à l'école en même temps. Mais il y a toujours l'école au milieu. Mais bon, ça me fait du bien de continuer à étudier. C'est pas mauvais, je pense. Et je te pose une question, tu te vois comment dans 5-6 ans? T'as déjà gagné tellement de choses. Ouais, mais il me manque aussi tellement de choses. On l'adore. Non, mais voilà, je pense que j'ai encore plein de choses à prouver et encore pousser le ski féminin encore plus haut parce que je trouve que le niveau il progresse tellement et j'ai toujours pas de globe de cristal, j'ai toujours pas de médaille olympique. Ce qui récompense pour ceux qui ne connaissent pas la Coupe du Monde, la saison de Coupe du Monde. La régularité sur la régularité. Ça, voilà. Du coup, il me manque encore plein de choses, des médailles aux X Games en slopestyle parce que j'en ai pas beaucoup et non, il me manque plein de choses, j'ai encore plein de choses à faire. Je vais pas m'ennuyer. Alors, petite question de néophyte, tu préfères le big air ou le slopestyle? C'est compliqué, c'est tellement différent. Le slopestyle, c'est un peu plus de pression parce que c'est beaucoup plus long et plus technique vu qu'on a plusieurs modules. Et le big air, c'est... One shot. Ouais, pour moi, je le prends comme un show parce qu'il y a toujours du monde en bas, c'est toujours une bonne ambiance, que ce soit au championnat du monde
ou ici. Et du coup, c'est complètement différent et c'est pas la même pression au départ. Et j'aime autant les deux, quoi. Je pense que j'arriverai pas à départager, c'est trop différent, mais je prends autant de plaisir dans les deux. En tout cas, on est content de voir ton joli sourire et tes yeux bleus. Non, mais ça pétille, ça fait plaisir. Non, mais je trouve ça génial. Tu parles très bien de ton sport et du sport féminin aussi, parce qu'il faut dire que les filles font de très belles choses. Sur la scène internationale, il y a des filles que tu admires plus que d'autres. Si tu peux donner des noms, hein, mais... Oui, bien sûr, je peux donner des noms. Il y a les Suisses qui sont très, très fortes et qui poussent aussi le ski de folie. Après, il y a Kelly Sildaru, une Estonienne qui est très, très forte techniquement et qui est là depuis longtemps. Enfin, il y en a tellement et je pense qu'on est 10 filles à bien pousser le niveau et ça fait plaisir, quoi. Alors, c'est pas vraiment la même discipline, mais j'imagine que tu as un regard aussi sur la carrière de Marie. T'as grandi avec Marie. Là, elle va dire ouais. Super bien, je l'adore. Okay, elle est pas là, réponds. Voilà. J'imagine que c'est une source d'inspiration aussi pour vous, freestyleuse, de voir la très très belle carrière de Marie. Non, mais c'est sûr, mais c'est même pas parce que t'es là, parce que j'admire vraiment ce que t'as fait et ton parcours, il est juste fou. Et d'avoir arrêté, repris, enfin moi, je me verrais pas du tout faire ça déjà. Arrêter et reprendre, je sais pas combien d'années plus tard, c'est impossible. Et puis non. Pareil, t'as poussé le pipe comme pas possible et c'est juste fou, quoi. Non, franchement, j'admire. Et en plus, t'étais là quand j'ai commencé. Et si t'étais pas là, j'aurais été la seule fille dans le groupe et ça aurait été plus compliqué. Donc, heureusement que t'étais là et merci. Ouais, c'est vrai qu'on était. C'est moi qui te remercie, Tess. On était dans le groupe de freestyle du Frisky Project. Et c'est vrai que du coup, elle est arrivée dans le groupe et je me suis un peu prise pour une petite maman. Enfin, en tout cas, j'avais vraiment envie qu'elle se sente bien. Et les mecs, ils sont adorables. Ils te mettent toujours dans les bonnes conditions. Ils sont très bons pour te pousser et à te surpasser. Mais des fois, être qu'avec des garçons, c'est un peu lourd. Et donc, oui, c'est vrai que de temps en temps, on fait des trucs de filles, quoi. Ça chambre un peu hein, dans les équipes, entre les garçons et les filles. Oh ouais. Allez, on veut des anecdotes. Des anecdotes, je sais pas trop, mais c'est vrai que les garçons, ils sont toujours là à nous embêter un petit peu. Et je sais que moi, ils m'embêtent particulièrement beaucoup. Et c'est compliqué. C'est peut-être parce qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux du niveau. Et du coup, voilà, non, c'était bien d'avoir une présence féminine au tout début parce que je rentrais dans le groupe, j'avais 15 ans. Et pareil, ils avaient tous 25 ans, donc c'était compliqué et ça m'a fait du bien. Et maintenant, je suis lâchée qu'avec des garçons et c'est vrai que je m'en prends plein la tête tout le temps. Espérons que tu aies bientôt une jeune fille qui rentre dans le groupe et ce sera à toi de l'accueillir. J'aimerais bien. Ouais, ça sera chouette, c'est sûr. Tu es une belle représentante du ski freestyle et du sport féminin, tu le disais très bien, Mathilde. Bah, merci beaucoup. Et on vient d'avoir des nouvelles d'Alexandre. A tout de suite, Mathilde. On se retrouve tout Tess, à l'heure. Tess, félicitations. Merci beaucoup. J'aurai le droit à une petite photo, Tess, tout à l'heure. Une petite photo, j'aurai le droit. Super. On donne des nouvelles d'Alexandre Lumichon. Par contre, c'est 30 balles. Ah mince. Bon, j'allais faire une quête. Apparemment, il ne s'est pas fait trop mal, et tant mieux. Parfois, les chutes sont plus spectaculaires que ce qu'il peut y avoir derrière, oui, en tout cas. Et tant mieux. Voilà, la tête, on le disait, c'est quand même un gros souci. Mathilde, ouais, on va continuer. Tess, félicitations. À toute Tess. Très bonne Tess, le deux championne de France. Ne bois pas trop de bière. Ici, aux Arcs, pour ce très beau show que vous pouvez suivre. Et ça va repartir. C'est une exclusivité hein, sur Trek TV. Vous pouvez suivre sur la chaîne la chaîne YouTube de Trek, sur l'Insta à Trek TV et sur le Facebook. Réagissez, dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous voulez que l'on précise. Et je pense qu'on est très large hein, dans nos discussions depuis tout à l'heure pour vous faire apprécier ce spectacle. Et Clément Naudin. Eh bien là, sans transition, hein, on y retourne. Eh bien c'est un parfait cork 9 sur la gauche. On peut dire qu'il a réussi à ce que je vous disais, oui, la difficulté. Il s'est pas déconcentré. Non, il s'est pas déconcentré, il est resté dedans, chaud, et il a fait un saut parfait. Donc félicitations à Clément. 83 tout à l'heure, puis 71.8. C'est lui hein, qui, on va faire les comptes, mais a très certainement gagné ce titre de champion de France de... ski Big Air en freestyle, donc l'une des disciplines du freestyle. Le freestyle qui est né entre autres très apprécié ici parce que c'est l'ADN des Arcs, l'ADN de cette station. Et le vent qui se lève un petit peu. Oui, alors ça va pas vraiment nous plaire, mais pour l'instant ça va. C'est quand même assez light. Mais si trop de vent se levait, ça pourrait devenir un petit peu compliqué. C'est l'ennemi numéro 1, on le disait tout à l'heure avec Arnaud. Bah oui, parce que du coup on maîtrise plus la vitesse, on maîtrise pas la hauteur, on peut prendre une rafale en l'air qui vient complètement vous déstabiliser. En général, quand il y a trop de vent, on coupe, hein, clairement.
Et là, si tant est que sur une compétition, l'air commence à monter, mm-hmm. on prend les deux premiers runs, ça se passe comment? On change les règles un peu du jeu? Bah oui. Après, c'est à ça que servent les commissaires de course. Mais bien sûr, il y aurait des décisions à prendre et ça peut être, on garde que les deux premiers runs. D'où l'intérêt de quand même être toujours parfait, de verrouiller le premier run. On parlait de stratégie. Hein. Bah oui, avec l'expérience, ça arrive quand même relativement souvent en sport outdoor d'avoir des soucis météorologiques. Hein. 86-7 pour Clément, voilà. Charlie Drummond, le rider des arcs, le représentant de la Frisky, devant ses potes, devant son public, devant sa famille. 74.3, 58.3 tout à l'heure, il avait eu un petit problème de récep. Oui, apparemment, il a eu quelques petits soucis de réception de nouveau. Charlie qui va se mettre au départ. 45.3 pour Charlie. Eh oui, c'est la réception. 45.3. Hugo Logier des Deux Alpes. Et si vous avez bien suivi, Hugo Logier, on l'adore. On l'adore parce qu'il est le super drôle. Voilà. Eh oui. C'est lui qui met l'ambiance dans les équipes. Hugo Logier, 24 ans, dans 15 jours, spécialiste slopestyle. Eh oui, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. C'est Hugo Logier, fantastique. Et avec un joli switch double en 1080, pardon, et qui nous gratifie d'un petit saut avant d'arriver dans le kiss and cry. Parfait. Et Hugo Logier qui avait obtenu 77.3 et 69.3 sur ses deux premiers sauts. Ça devrait être à peu près dans les mêmes zones. Nathan Thébault à suivre de la Plagne, 43 et 80.7. C'était vraiment bien rattrapé sur son deuxième saut. Allez, Nathan, qui a la particularité d'être le seul rider qui a fait deux fois le même saut, donc il faut qu'il nous. Oui, effectivement, on l'entend par le speaker, il faut proposer plusieurs sauts. Hein. On fait pas toujours la même chose. Oui, il faut deux axes de rotation différents, soit un à droite, un à gauche, soit un en avant, un en switch, soit un flat et un cork. Mais voilà, il faut poser deux choses différentes. Le flat pour ma gouverne. Flat, les skis qui tournent à plat autour de vous, comme une soucoupe volante. C'est joliment dit. Ouais, ça vous parle. Ouais, c'est poétique. Allez, c'est bon, je visualise très très bien. Et donc, a priori, Nathan, qui est le seul qui a proposé deux fois le même saut, il ne devait pas être vraiment satisfait du premier, donc il a refait le même pour mettre plus de points. Donc là, il lui reste une seule chance pour mettre le saut différent. Donc voilà. Et là, il n'y a pas d'autre option. Il faut que ça plaque. On attend Nathan Thébault, donc de la Plagne. Ce sera le troisième garçon à passer. Ils sont 16 en junior et senior. Pour cette finale, 70. Voilà, on reste dans le même genre avec 70.2. Ouais. Voilà, on est tourné, son meilleur étant 77.3. C'est parti. Allez, Nathan. Nathan. Ouais. Ouf. Très joli switch, mais j'ai pas vu la réception. Non. Il y a trop de gens qui sont avec du ciné devant nous maintenant. Il y a du public, il y a du spectateur, mais c'était très joli et très très belle amplitude. Oui, je vais juste avoir un petit peu de mal à vous compter les tours, mais c'est pas grave, on appréciera le spectacle quoi qu'il en soit. Et puis vous, devant la télé, vous voyez tout ce que vous avez besoin de voir. Nous sommes en direct, profitez-en jusqu'au bout. Encore quelques riders à passer. On a eu Tesla 2 qui est venu nous rendre visite il y a quelques minutes, qui est championne de France, qui vient de décrocher son titre de championne de France, Big Air, grande dame, qui passe son bac à la fin de l'année. Bah oui, voilà. Bichette. Vous avez vu comme elle est d'une gentillesse, simplicité. Souriante. C'est pas étonnant, les grands champions sont souvent de cette veine-là. L'humilité. Quand même. Ah ouais, bien sûr. Et Nathan Thébault qui va bientôt avoir son score. Très très haut, hein. Il était très très haut. Eh oui, on était sur un switch 1006. Mais je n'ai pas vu toute la fin du saut, ce qui veut dire quand même qu'il a posé assez bas. Hein. Est-ce que pourtant la récep est juste devant nous, la réception. Et elle est assez longue. Il y a du monde hein, devant. Ouais. Le soleil se couche sur les arcs et on a de très belles lumières. Et je trouve ça assez fantastique pour vous proposer de belles images. Car voilà, il y a la compète, mais il y a aussi le spectacle. Et la proposition des équipes techniques. 84.4, voilà, donc il a bien dû poser. Ça a bien scoré pour Nathan.
Raphaël Carmandarian du Grand Bornand. Allez, qui a bien poussé sur les bâtons, qui se met en arrière. Tout jeune, à 16 ans. Switch double en 900. Il n'a pas l'air très content, donc non. Je doute que c'était ce qu'il avait vraiment envie de proposer. Il arrive qu'en l'air, on change d'avis. Hein. C'est possible. C'est la question que je vais poser. Hey. Parce que je me disais bien, déjà au départ, en l'air, on peut changer d'avis ? On peut changer d'avis, ouais, effectivement. Les garçons sont assez, assez forts là-dessus. Bon, les filles aussi, mais enfin, je veux dire, c'est assez impressionnant. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours surprise parce que. Le temps de réflexion est quand même très, très limité. Hyper court, hyper court. Bon, à le rappeler, c'est combien de temps en l'air à peu près là ? Ah là, il reste 2 secondes en l'air. Faut pas se louper. Ouais, ouais. Et sachant que derrière, il y a quand même une réception qui peut faire mal si c'est mal abordé, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le jeune Alexandre. Oui. Mais on rassure tout le monde, ceux qui étaient devant leur écran il y a quelques minutes. Il n'a rien de grave, et tant mieux. Plus de peur que de mal, comme on dit. Et vous venez de voir Raphaël Carmandarian du Grand Bornand. Et à suivre, Vincent Maharavo de Font-Romeu, le Pyrénéen. Ouais, qui doit être bien classé, bien classé, hein, je pense. 92 hein, sur son meilleur score pour l'instant. 86 puis 92. Ouais, sachant oui, qu'on garde les deux meilleurs. Il doit être dans le top 4, hein, peut-être même dans le top 3, Vincent. Ouais, qui a fait le déplacement jusqu'aux arcs sur ce très beau snowpark qu'on en a parlé, qui est bien intégré comme il se doit dans le domaine, parce qu'aujourd'hui les stations se doivent avoir les snowparks. Et surtout celui-là, d'une, on va dire, d'une envergure maintenant nationale et internationale, avec une table, deux tables qui sont très belles. Préforme en terre pour utiliser un peu moins de neige. Oui, beaucoup moins de neige parce que c'est des mètres cubes et des mètres cubes de neige et on sait que voilà, on essaye de faire en sorte de ne pas trop en produire pour voilà, utiliser le moins d'eau possible. Donc c'est plus simple de faire un terrassement à l'été venu, de lui donner une forme et puis d'utiliser beaucoup moins de neige derrière. Ça permet aussi d'être sûr d'avoir un big air dès le début de saison, même s'il n'a pas énormément neigé ou qu'il n'a pas fait assez froid pour qu'on souffle assez de neige. Vincent Maharavo de Font-Romeu. Alors Vincent, il a 2 bons scores. Alors est-ce qu'il va proposer un 3e figure ? Est-ce qu'il va essayer d'en faire une des 2 qu'il a déjà proposées et de la faire mieux ou plus haute, plus stylée ? C'est son choix et même les juges ne le savent pas à ce moment-là. Eh ben non, il est en ce qu'on appelle winning lap, c'est-à-dire qu'il pense que ses 2 sauts étaient les plus beaux qu'il a pu proposer. Donc il ne va pas se faire plus donc, mal. Donc il se fait un petit 540, ouais. Tranquille. Mais qui reste quand super même joli. Voilà, joli. Très aérien, très beau. C'est ça le freestyle. Oui, donc 42 points, 42 pas grand-chose, mais... 42 points, mais bon, il n'était pas venu sur son dernier saut pour ça, en tout cas, comme tu viens de le dire. C'était, voilà, ses 2 premiers étaient suffisants. Voilà. Andreas Arons, des Deux Alpes. Eh oui, on voit que ça pousse au départ, hein, parce qu'il a fait chaud cet après-midi, il doit y avoir un peu moins de lisse, donc ça pousse, ça pousse. Et le switch double, ouh là 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 là. Alors voilà, mauvaise gestion de la rotation et du coup on pose pas dans l'axe forcément tout de suite, c'est compliqué. Andrea Serrans qui a fait une petite réception limite. Oui, bah, ça permet de voir aussi que finalement c'est pas si facile que ça et la chute permet de voir à quel point quand ça pose sur les pieds c'est de la maîtrise quoi. 24.7 mais on n'est pas là pour ce score en tout cas, lui il savait non. Ce qu'il avait fait avant. Caditane Gomis de la Clusaz. La Clusaz est une belle, belle école du ski freestyle. On se souvient des grandes années Edgar Goupiron, on se souvient de Candide Tovex, de Seb Michaud aussi. Il y a de grands, grands champions qui sont sortis de la Clusaz. Et le switch double 1002. Non, le switch double 1000, pardon, excusez-moi. Donc 3 tours. 3 tours complets. Avec le mute dans un sens et le mute dans l'autre sens. 80 sur son premier saut et 64.3 sur le deuxième. Alors je pense qu'il va upgrader sa 2e note. Et à suivre un ami de Caddy, Alex Raymonet, en fait, ils sont de la même station, du même club, ils s'entraînent ensemble. Ouais. Ça se suit. Et comme tu dis, c'est une histoire de potes parce qu'en dehors
les entraînements et les compètes, bah, ils vont skier pour eux ensemble. Exactement, ça construit des sauts dans tous les sens, ça aide ensemble, ça fait des images. Et puis les progrès des uns amènent les progrès des autres. On se tire là aussi. Et tu parlais bien de sport individuel, mais de groupe. Pratiquer en équipe. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est trop important. Avec de très bons coachs hein, qui maintenant les soutiennent. On en a parlé tout à l'heure avec la Frisky. On est là pour encourager les jeunes et pour les tirer vers le plus haut niveau, vers les niveaux internationaux. Ce qui n'était pas évident à l'époque, quand vous étiez vous beaucoup plus jeune, où il n'y avait pas forcément de structure dédiée ou que c'était aux prémices de ces structures. Ben oui, moi j'ai eu de la chance d'être de La Plagne et qu'il y avait Greg Guenet qui était déjà le coach du club des sports et on était une manne de 7-8 riders déjà à s'entraîner ensemble. Après, c'est très vite les marques de ski qui ont pris le relais. Avec des équipes montées par les marques et des team managers à la tête de ces équipes, et c'était eux qui nous emmenaient sur les compétitions internationales qui n'étaient pas fédérées. C'était l'US Open, c'était l'European Open, c'est des courses qui n'étaient pas du tout dans les mains de la Fédération internationale de ski. Donc une autre gestion, hein. Le même sport, mais il y a 15 ou 20 ans. Quoi. Est-ce que le fait que ce soit aujourd'hui dans les mains de la Fédé, ça apporte autre chose, ça structure, professionnalise? Bah, si on l'utilise vraiment à bon escient, oui, parce que la Fédé, elle va avec les clubs des sports. Les clubs des sports, il y en a dans toutes les stations, donc ça permet de créer un maillage du plus petit niveau au plus haut niveau. Si ça fonctionne bien et qu'on le fait bien tourner, effectivement, c'est censé être très positif. Il reste en gros 9 garçons à passer pour ces finales des championnats de France de Big Air de ski freestyle ici aux Arcs en direct sur votre antenne sur Trek TV. On est très heureux, Marie et moi et Mathilde, de pouvoir vous proposer ce spectacle que vous retrouvez demain à 11h30. Et la semaine prochaine, on parlera du programme de Mathilde dans le spot qui est encore parti voyager. Et Mathilde qui a fait de très belles émissions à laquelle j'ai la chance de m'associer sur les lives et qui m'a emmené aussi il y a quelques semaines à Darla où on avait fait du kite sur le JK Freestyle Tour. Chouette. Ah, c'était plutôt agréable, avec pareil encore de grands champions dans l'humilité aussi, parce que c'est des sports qui ont besoin d'être promus. Donc tous ces jeunes sont toujours hyper sensibles à un micro, ils viennent parler et spontanément. Chouette. Ben oui, et puis là en parlant de sport qui ont besoin d'être mis en lumière, ben là c'est vraiment chouette parce qu'on sait depuis peu de temps que le Big Air, donc ce qu'on regarde aujourd'hui, sera la prochaine nouvelle discipline olympique aux Jeux de Pékin dans 2 ans. Donc il ne reste plus qu'à présenter une belle équipe de France et il y aura certainement les champions de Pékin de demain qui auront pris le départ de cette course aujourd'hui. 82.1, les lèvres se gercent un petit peu, hein, le temps se rafraîchit. 82.1, nous notons, et Nathan et Alex présente avec une réception un petit peu en travers, mais pas trop mal négociée. Il n'y aura pas eu de chute, mais malheureusement les juges en tiendront compte. C'était plutôt sympa, il a fait ce qu'on appelle un scrimmens. C'est un grab où on vient croiser ses skis, mais un ski passe par-dessus l'autre puis revient, donc il y a quand même un risque de, si tu n'arrives pas à redécroiser, tu risques de poser avec les skis à l'envers. On a le temps de récupérer entre deux runs, où là la fatigue commence à se faire sentir. Là, la fatigue de la journée accumulée, des entraînements, des runs d'entraînement plus les 3 runs de course commence à se faire sentir, c'est sûr, d'où l'intérêt d'avoir une grosse prep physique en amont et sur l'intersaison. Maintenant ils sont rodés à ça et ils sont jeunes, ils sont pleins de fougue, l'adrénaline prend le dessus aussi, donc mais oui, effectivement, il y a forcément un petit peu plus de fatigue. T'es content d'avoir fini le dernier run, quoi. Ouais, on les sent contents et on arrive au bout, hein, avec un 44.1 pour Alex de la Clusa. Et à suivre, Nathan Arbonnier de Gap. Eh oui, il arrive de face, il a tourné à droite. Donc double cork 1260 avec un tel grab, mais dans l'autre sens, il a tourné à droite. Donc voilà, au lieu de proposer au juge 2 axes de rotation différents, et ben lui, il a proposé d'en faire un à gauche et un à droite. C'est très technique. Hein. On a toujours un sens de rotation qu'on préfère. Oui. En règle générale, les 80% des gens préfèrent tourner à gauche. C'était mon cas. Voilà. Mais il y en a un petit pourcentage qui préfère tourner à droite. Mais donc, du coup, on appelle ça le sens naturel. Et après, unnatural. Donc là, à droite, c'était son sens certainement unnatural. Ça veut dire qu'il est capable techniquement de proposer la même technicité, la même acrobatie, mais de chaque côté, c'est gros. 58.3 pour Nathan Arbonnier. À suivre, de La Plagne, Elliot Gori.
Troisième l'an dernier. Du bronze donc pour le garçon qui va tenter de faire mieux, hein, de rester sur le podium. Ok, on les voit partir de plus en plus haut. Donc là maintenant il n'y a pas de patineur sur le plat du départ. Oh, ouf. Et le switch double, mais voilà, on a vu qu'il là, avait la réception courte. Zippé sur le take-off qui fait pas d'amplitude, donc réception courte exactement, Greg. Ouais. Elliott Gori, 72.3, 83.9, ses deux premiers résultats. On attend le troisième. Restez avec nous, hein, profitez, il reste 5-6 garçons à passer et la crème de la crème. Parce que l'on le rappelle, les derniers sont les meilleurs. En tout cas, c'est ceux qui ont fait les meilleurs résultats des qualifs hier. Et en l'occurrence, on a quand même à venir Antoine Adélis, qui est notre number one français, qui rentre tout juste des États-Unis où il a fait un podium sur un Big Air en ville, un City Big Air à Atlanta, dans un stade de baseball. C'était assez fou comme image. En apportant une nouvelle figure qu'il nous a proposée tout à l'heure. Je pense qu'il va la refaire pour essayer d'améliorer. Rappelle-nous la figure. Alors, ça s'appelle un pré-nose, donc que ce soit un double ou un triple derrière. Il part en arrière, donc switch, et il a déjà son grab qu'il attrape sur le devant, la spatule de son ski. Il a déjà son grab en main quand il arrive dans le saut. Il faut se rendre compte de la difficulté de la chose. Une rotation, elle se lance principalement avec les épaules. On met un mouvement d'épaule qui lance la rotation. Et la rotation, une fois qu'elle est lancée, le saut découle de ça. Ben lui, il arrive à le faire en sachant qu'il ne peut pas vraiment servir de ses épaules puisqu'il tient déjà son ski. Techniquement, c'est vraiment impressionnant. 64.1 pour Elliott Gori. Et à suivre, Timothée Sivignon. Jeune de la Clusaz. Alors, il arrive de face. Ok. Ouf, très, très beau saut. Avec le double cork en 1004, donc 4 tours, pardon. 1440. Il faut dire que sur son deuxième saut, il s'était un peu loupé, donc il avait à cœur de se rattraper. Il avait fait combien de points à son 37, deuxième saut? Si mes calculs sont bons et mes petites notes sont bien prises, ce qui n'est pas forcément évident. Si, je compte sur vous, carrément. J'essaye. On va attendre le score donc de Timothée de la Clusaz. Ah, je trouve que le show augmente encore. Hein. Ah là, techniquement, même si certains, c'était très bien, oui. On va dire, en sont largement devant. Mais ils sont là pour le spectacle, ils sont là pour se faire plaisir et pour faire plaisir au public ici présent aux Arcs et derrière les écrans, que ce soit sur YouTube ou sur Trek TV. J'espère que comme nous, vous appréciez le show et ces belles images, le soleil qui se couche. On a vraiment une lumière qui est splendide. Je trouve que ouais, là, on a des conditions qui sont extraordinaires. Et on va retrouver Paul Vieuton, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et on attend le score de Timothée Sivignon. Je pense que les 89.3, 89.3, à l'instant même dans mon oreillette. Techniquement, on avait un saut parfait. Franco-thaïlandais Paul Vieuton, on l'a dit. Ce garçon court pour la Thaïlande. Il est du côté de Gap. Et le switch double bio, ouais, il manquait un petit peu de rotation. Donc il vient poser un peu sur les talons parce qu'il manquait un petit peu de rotation dans le bio, quoi, avec justement la tête en avant. La récepte hyper importante, on en a parlé tout à l'heure avec Marie et avec les entraîneurs de la Frisky et les juges qui sont là-haut. On regarde tout. On rappelle qu'on n'a pas une figure imposée, on fait ce qu'on veut, mais il faut que ça soit le plus propre possible. Exactement, et la réception compte pour beaucoup. Et même si le saut a paru parfait et très beau, voilà, une réception un petit peu. 62.7 pour Paul. Et on arrive sur les quatre derniers avec Benoît Buratti de la Clusaz. 90.3, 87.3. Déjà des très beaux scores. Oui, ça joue le podium là pour Ben, c'est sûr. Il était deuxième ici l'an dernier. Donc on va dire médaillé d'argent. Il veut rester sur ce podium. Il a poussé au départ. Allez, il se présente en switch, donc en arrière. Oh, et c'est un switch double 1004. C'était assez pas très désaxé, en fait. Ce qui est assez technique à faire aussi. Voilà, on voit que c'est ce qui monte pas très haut par rapport à sa tête. Le désaxe, on se rapproche plus d'un saut assez droit. Avec un beau tail grab. Moi, j'apprécie quand même. L'airtime était quand même bien. Ouais, très bien. Et puis, l'amplitude, c'était parfait.
Est-ce que les juges rendent cet avis ? Je ne sais pas. Il y a à suivre Dylan Guillaume Magnin qui avait fait le meilleur score l'an dernier, 86.1 pour Benoît. Ah oui, donc il reste à la troisième place. Troisième. Ça joue le podium. Le champion de France, on vient de le dire, donc Dylan Guillaume Magnin du Grand Bornand, le Haut-Savoyard. Alors, est-ce que Dylan peut dire détrôner Ben ? Il arrive en arrière avec un switch double qui tourne très très lentement, assez joli. Et puis une belle réception, parfaitement exécutée. Il a pris de l'air, ça tourne lentement. Et là, vous appréciez le spectacle. Restez avec nous parce que là, vous allez voir les deux plus gros, on va dire, hein, ceux qui jouent le... Plus que le podium, même la victoire, on a des très beaux scores pour Antoine Adlis, qui rentre tout juste d'Atlanta, comme tu le disais. Ouais, et puis qui est créatif. Qui invente toujours. Et puis qui sait tout faire, Antoine. Il tourne dans les deux Grosse sens, force, il fait aussi. Des doubles, il fait des triples, il fait des switch doubles, il fait des switch triples. Il est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Le niveau en big air international est monstrueux. Et Antoine, il se frotte à ces mecs-là. Il fait partie, on peut dire que cette année, il commence à faire partie des grands. Quoi. Et en attendant que les deux derniers, déjà on va avoir le score de Dylan, 83.5 et 77 pour ces deux premiers sauts. Et deux riders qui se préparent. Le titre qui va se jouer dans quelques minutes, quelques secondes même. Oui, je doute que Dylan vienne détrôner Antoine. Le potentiel podium. Potentiel Antoine podium, voilà. Et vous êtes bien sûr sur Trek TV. N'hésitez pas. Et faites-le même d'aller sur nos réseaux sociaux, sur le Facebook, sur l'Insta, de nous dire ce que vous voulez entendre, ce que vous appréciez. On essaye d'être le plus didactique possible. Venez surtout nous dire que vous adorez le freestyle et que vous voulez en voir plus souvent. Exactement. 80.9 pour Dylan. Beau score. Septième place. Voilà. Et on va retrouver notre champion du jour, a priori. Antoine Adélis, on ne va pas tout dévoiler jusqu'au bout et on espère de façon qu'il nous fasse un beau saut. Et surtout, le vainqueur sera avec nous. 93.3, 92.7 tout à l'heure. Oui, donc c'est parti. Antoine qui part en switch, qui chope son prénose, me semble-t-il. Ah, qui fait un double grave. Donc il a tenu son nose grave dans une première temps de la rotation, puis il a changé de grave. Donc là, techniquement. Gros saut. Gros saut. Ouais, ouais, ouais. Jusqu'au bout, il s'amuse dans le voir arriver en se faisant plaisir. Bah oui, parce que là, il connaît la finalité de la journée, là. Quand on fait du freestyle, c'est qu'on est showman, forcément. Oui, il y a quelque part un côté démonstration, bien sûr, ouais. Bien sûr, tout à fait. Le dernier, tout dernier concurrent, c'est Alex Lepalab, Ossois, 87 et 84.2. Eh oui, c'est le dernier saut. C'est le dernier saut, apprécié, profité, parce que des spectacles comme ça, il n'y en a pas souvent, trop peu souvent à la télévision, de voir du freestyle, du big air, ce Lézark Launchpad sur le snowpark des Arcs. Avec, voilà, on l'entend, la Coupe du Monde à suivre, les X Games, il y a de grandes compétitions. Ah oui, là, la saison reste à faire, il y a aussi des X Games en Chine cette année, c'est nouveau. Donc de belles échéances pour nos Français, c'est sûr. La Chine qui accueillera les prochains Jeux d'hiver et ce Big Air au JO. Effectivement, oui, dans un spot assez incroyable, un City Big Air, donc un Big Air en ville, mais qui a la taille d'un vrai Big Air comme celui-ci. C'est juste assez faramineux les travaux qui ont été faits là-bas. 92.3 pour Antoine Adlis, 93.3, 92.7 et 92.3. Donc en gros, largement devant vainqueur. Tout le monde. Vainqueur, grand champion, on peut l'annoncer d'ores et déjà avant le départ du dernier. Le dernier, c'est Axel Lepalab qui avait fait 87 et 84.2, un peu en dessous d'Antoine tout à l'heure. Avec un bon saut, il peut jouer le podium, Alex. Hein. Donc on attend ce saut et c'est parti.
J'allais dire qu'il va refermer ce billard, mais pas tout à fait, puisqu'on sait qu'après, ils auront une petite session privée avec le coucher de soleil pour faire des photos. Il arrive en switch avec un switch double 1002 avec peu d'amplitude. Et malheureusement, ce n'est pas ça qui va venir changer. Ça ne changera pas le classement. On va attendre quand même son score. Voilà. C'en est terminé pour la compétition, mais on va rester ensemble. Marie, tu restes avec moi. Mathilde va revenir avec notre champion pour conclure ce beau spectacle, cette compétition, ce championnat de France de Big Air, ici aux Arcs, en Savoie, Bourg-Saint-Maurice et un peu en dessous. Vous pouvez venir ici avec le funiculaire, poser en train, vous monter directement. Un grand domaine avec maintenant la plagne. Ça fait paradis ski. On a vraiment de la chance, en plus d'avoir très belle table, deux tables bien préparées par toutes les équipes, que ce soit de la freeski, que ce soit d'ADS. Il y a vraiment eu du beau boulot technique pour vous proposer un beau show aussi. Et sans ça, les meilleurs riders du monde ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà, c'est un travail d'équipe une fois de plus. Et Mathilde qui est avec nous, Mathilde qui revient, Mathilde qui est en de très bonne compagnie. Voilà, il faut poser le casque sur les skis. Il y a les sponsors, c'est normal. Allez. Voilà, je suis en très très bonne compagnie avec Antoine Adélis. Félicitations Antoine. Ouais, bravo Antoine. Bravo. Merci beaucoup, merci. Très content de t'avoir avec nous pour conclure cette belle compétition. Qu'est-ce que tu en as pensé de la compète au-delà de ton titre ? Bah écoute, c'est génial. Je suis trop content d'être à la maison là. Honnêtement, ça fait trop plaisir. On a eu un beau saut. Belle météo, belle neige, donc que demander de plus? Franchement, c'était trop bien. Tu as super bien skié, en tout cas, Antoine. C'était vraiment classe. T'as remis les pendules à l'heure un peu aujourd'hui. Hein. Non, c'était vraiment cool, honnêtement. Les entraînements, tout s'est bien passé aujourd'hui. Ça a déroulé comme c'était prévu et ça fait vraiment du bien, tu vois, de poser tous les tricks comme ça. J'en ai fait trois différents aujourd'hui. C'est trop top, je sais pas c'est quoi dire de plus. C'est de très bon augure pour la suite. Parce que qu'est-ce qui t'attend là? Là, plusieurs Coupes du Monde, deux Coupes du Monde et surtout les X Games en Big Air en fin janvier. Donc, gros objectif. Et c'était un très, très bon entraînement aujourd'hui, honnêtement. Comme tu le disais, tu as fait différents tricks. Est-ce que c'est ce que tu avais prévu d'ores et déjà ce matin en te réveillant ou pas? Exactement. J'en ai presque rêvé la nuit. Honnêtement, c'est rare que tout se déroule comme prévu. Et Marie est bien placée pour le savoir. Mais là, honnêtement, tout s'est déroulé comme prévu, comme sur des roulettes, comme on dit. Et ça fait du bien de toujours réceptionner bien, etc., qu'il n'y ait pas eu trop de chutes et tout. Donc je suis juste trop content d'être là, honnêtement. T'as pu regarder un peu les copains, quand même ? Ouais, j'ai pu regarder mes copains. Ça fait plaisir, comme je leur dis, de skier à la maison avec les copains, de tous les clubs, etc. Et surtout sur un saut aussi bien. On n'a pas eu l'habitude d'avoir des sauts aussi bien depuis un bon moment. Et là, c'est top. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler tes différents runs, le choix des tricks et ton tricks gagnant, surtout ? Alors techniquement, ça va être compliqué pour tout le monde de comprendre. Ah, moi, j'ai une très bonne traductrice. Voilà. Marie, elle fait très bien. Il va vulgariser, ouais. Il est capable. Ok. Alors mon premier run, c'était une triple rotation, donc un triple corps. Je passe trois fois la tête en bas avec quatre tours sur moi-même. Mon deuxième run, c'était un switch double, donc je pars en marche arrière, j'attrape mon ski avant, c'est un petit peu l'originalité de ce saut. Et en fait, je le garde jusqu'à ce que je réceptionne presque. Donc je le garde en l'air, ça s'appelle un pré-nose. Et là, mon dernier, c'est un que j'ai appris il y a deux jours ici, donc je voulais le reconfirmer en dernier run. Et c'est un switch double 1440. Tu reconfirmes un saut que tu viens juste d'apprendre en compète? Je l'ai appris mardi, mardi là. Ouais. Moi, je disais qu'il faut une année pour apprendre. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Antoine, il fait partie d'un autre monde. Et tu le fais en compète. Voilà, c'était vraiment le run bonus et juste confirmer que j'ai bien ce saut et je pense qu'il va me servir pour la suite. Je peux te demander ce que tu as dans l'oreillette là, ce que tu écoutes? Là? Ouais. Alors juste avant, j'avais un petit peu de Nekfeu, j'aime bien mettre un petit peu de rap quand je pars au départ, juste pour mettre le peps, le boost. C'est ce qui fait que t'es à donf en fait. Moi je me mets dans mon espèce de, comment on dit, bulle, et après je pars et je suis super focus, donc ça me met le peps, c'est top. Qu'est-ce qu'on fait juste après une compétition, et d'autant plus quand on la gagne? Quel programme de la fin de journée? On va peut-être pas tout savoir, mais... Apparemment, il y a une seule session, c'est ça? Mais il y a récup, ouais. Et après, il dort. Oui, il y a récup. Non, honnêtement, moi, ce soir, j'avais prévu de profiter avec mes amis. Donc, on va se faire une bonne bouffe tous ensemble. Je vais pas boire beaucoup, honnêtement, parce qu'on a un hiver qui est très, très long. Donc, il faut rester sérieux, etc. Et puis surtout, là, ça va être un hiver extrêmement intense avec des Coupes du Monde dans différents pays chaque semaine, donc on reste bien focus et on boira des canons à la fin de saison. J'espère que je mériterai d'en boire, dis-moi. En tout cas, félicitations. Jules Bonner qui arrive sur le plateau, technique. Le directeur de course et coach à la Freeski Academy. Ouais, non, il y a Marie, voilà. Ça va? Ça va et vous? Alors, content de cette compétition? Ouais, c'est super bien passé. On a une belle compète, des belles conditions.
un beau niveau, gros niveau, donc tout s'est bien passé, c'était top. Tu as raté Antoine qui vient de dire la bosse était magnifique, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une aussi belle bosse. Ben, ça fait plaisir, il y a tout le monde qui a bien bossé là, pour sortir cette table en début de saison, parce que mine de rien, début janvier, c'est quand même pas facile de sortir une belle table comme ça, donc non, c'est top, il y a tout le monde qui a bien bossé, puis content que voilà, ce soit bien passé. Au niveau des juges, là, il y a eu pas mal de discussions quand même, ça se passe comment là-haut? Eh bah ouais, ça a pas mal débattu. On avait un panel de 4 juges. Tu peux les citer? Tu peux les annoncer? Je les connais pas tous. Je sais qu'il y avait Théo Colompaton, on avait Gilles Tessier. Hugo Sorel. Les deux derniers, je me rappelle pas de leur nom. En tout cas, ils ont bien bossé. Ouais, ils ont bien bossé. Puis ça devait pas être facile parce que maintenant, il y a tellement une diversité dans les tricks, les grabs, les doubles grabs, les axes de rotation. Donc ça, ouais, on a vu quand même pas mal de tricks différents. Ça devait pas être facile à noter, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux arcs pour la suite de ce type d'événement et de continuer à les promouvoir et à les organiser? Et ben oui, maintenant, on avait le SFR Tour avant, organisé par Olivier Cotte. D'ailleurs, on peut lui passer le bonjour. Voilà, maintenant, on n'a plus trop d'événements en France. Donc, c'est sympa d'avoir un événement. On espère qu'il va aussi grossir par la suite et que ça prenne un petit peu d'ampleur, qu'on ait peut-être un peu plus d'internationaux aussi. C'est le souhait, en tout cas, de l'événement. En tout cas, on a apprécié un très beau show. Il y a des figures qui t'ont plu plus que d'autres, ou là, où t'as vu des choses qui vraiment... Bon, on va pas parler d'Antoine, parce qu'il était largement au-dessus. Ouais, bah, le tricks d'Antoine, c'est sûr qu'à attraper le ski là, dans le saut, là, au départ, c'est quand même assez technique. C'est beau. Merci à voir. Ouais. Et puis, le triple aussi, voilà, qui est massif, qui est joli. Et puis, on a vu des tas de doubles avec des changements de grab qu'on n'a pas l'habitude de voir en compétition et que j'ai pas mal aimé. Alors, il y a eu une grosse chute quand même, sans gravité? Sans trop de gravité, il s'est un peu ouvert le menton, le jeune minime, mais ça va, c'est pas trop grave. Ça fait partie, on en parlait avec Marie, voilà, des risques. Et le port du casque, on le répète. Bien sûr, mais un sur les 70 qui ont pris le départ hier, finalement, je trouve que ça prouve vraiment la densité et la qualité technique de ces athlètes. Hein. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Voilà. Bonjour, il faut vous approcher, approchez-vous. Directeur technique du domaine skiable, oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. La bosse, c'est quoi? C'est une très belle bosse. Ben oui, c'est beaucoup de travail de préparation. On a la chance d'avoir de très bons chauffeurs chez nous. Et, par exemple, un Philippe Gillot qui passe beaucoup de temps, qui est spécialisé là-dedans, donc qui a permis de faire une très belle bosse pour un bel événement comme aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour la conserver comme ça toute la saison? Ben, il faut l'entretenir très régulièrement. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'heures de machine. Et puis pouvoir l'utiliser au mieux pour aussi l'équipe de la Frisky Academy qui puisse l'utiliser toute la saison pour leurs entraînements. C'est un travail en commun avec la Frisky. Ils vous demandent ce qu'ils ont envie d'avoir comme type de boss et vous leur dites ce que vous pouvez faire. Oui, on va dire que c'est un partenariat depuis maintenant quelques années avec la Frisky où en fonction de leurs besoins, de la taille de la boss, on essaie de travailler vraiment en partenariat pour arriver... à faire qu'ils puissent s'entraîner et puis progresser, bien sûr, pour des jeunes athlètes et qu'ils deviennent demain des champions. Bravo en tout cas à toute l'équipe technique qui a préparé cette bosse. Antoine, des bosses comme ça, il y en a beaucoup? Non, mais je reviens juste sur ce que vous dites. Je tenais énormément à vous remercier pour l'investissement que vous mettez dans ce snowpark et à faire un événement comme ça. Je sais que ce n'est pas évident et que les stations ont parfois d'autres priorités, mais de le faire ici, à la maison, c'est vraiment génial pour nous. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier toute l'équipe. Et ben, merci à vous, puis merci aussi pour ce bel événement. On est très content en tout cas d'être ici. Le soleil se couche sur les arcs, on a une très belle lumière, ce qui éclaire le visage de Mathilde. Voilà, on va profiter jusqu'au bout. Et Antoine, la suite, on en parlera dans le spot, mais en oui, quelques mots. Alors tu parlais des différentes échéances dont tu as parlé Marie. Mais tu pars très vite à Font-Romeu, ouais. Je crois. Alors demain, départ pour Font-Romeu. Là, durant les prochains mois, ça va être une compétition dans un pays différent par mois et que des Coupes du Monde et les X-Games. Donc non, ça va être hyper intense et j'ai trop hâte. Une saison bien chargée. Jules, d'autres événements à venir ici aux Arcs ou d'autres envies ou d'autres propositions? Écoute, pour l'instant, on va essayer de continuer à faire évoluer cet événement, le faire grossir un petit peu. Et puis non, je souhaite une belle saison à tout le monde et que ça continue sous ce beau soleil. En tout cas, c'était un beau cadeau de Noël. On s'est offert une très belle session. On a encore quelques minutes avant les podiums. Il y a une Tesla 2 qui est passée tout à l'heure nous voir. Oui. Tu les vois comment, les filles, sur le circuit, et notamment Tess qui envoie des belles, belles choses? Ah ouais, moi, Tess continue et fait que de m'impressionner ces dernières années. Et honnêtement, elle était une des actrices du
de l'élévation du niveau, je pense, chez les filles en général, parce qu'elle a mis en place des doubles rotations et ça faisait un moment qu'on attendait ça chez les filles et ça a été une des premières à les faire vraiment très très belles. Et honnêtement, aujourd'hui, elle a montré ce qu'elle savait faire de mieux. Le dernier run n'est pas passé, mais au moins, ce que j'apprécie et moi, c'est là où je respecte beaucoup, c'est qu'elle sait qu'elle est leader, elle sait qu'elle est première et elle fait quand même un de ses tricks les plus techniques en dernier run, donc chapeau à elle. Et toutes les autres concurrentes qui ont aussi très très bien skié. C'est un moyen d'encourager le sport féminin et de montrer qu'il y a pas de compète avec les gars. Hein. Chez chacun sa compète, on fait des très belles choses de chaque côté. Un mari. Les filles rivaliseront jamais avec les garçons. Physiquement, elles sont moins fortes, c'est comme ça. Il y a plus de finesse parfois. Encore que là, ce qu'ils font, ça devient tellement fin. Il faut avoir un timing tellement précis qu'on est dans la finesse, on est dans l'orfèvrerie. Hein. Mais voilà, les filles, c'est différent des garçons. Maintenant, effectivement, Tess, elle fait partie de celles qui se remettent tout le temps en question, veulent toujours faire mieux. Et lui, il est pareil. Donc en fait, on a de la chance d'avoir deux Français qui potentiellement sur les années à venir peuvent vraiment l'idée tout le temps. Donc c'est quand même vraiment très excitant pour nous à regarder. Toi spécialiste, qu'est-ce que tu as apprécié sur ces trois runs différents qu'on a pu voir, filles, minimes et garçons? Alors moi, j'ai trop rêvé de voir la fille de Seb Michaud prendre le départ d'une compétition, tu vois. J'ai pris une claque, mais voilà, je me dis on est un peu en famille, quoi, sans faire de l'entre-soi, parce qu'on est tous ouverts au monde, mais on est un petit peu en famille, et voir que les champions font des champions, c'est assez marrant. Et puis voir mes planiards devant, c'est toujours assez excitant, hein, je vais pas te le cacher. J'ai bien compris. Chauvinisme, hein, voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai trouvé de peut-être un peu différent, une densité finalement quand même. Bon, alors Antoine est au-dessus, voilà, mais bon, ça va avec le fait qu'il il est sur d'autres sphères, mais derrière, une grosse densité de mecs qui balancent des doubles dans tous les sens. C'était vraiment pas le cas il y a encore peut-être 4-5 ans, quoi. Ouais, j'ai trouvé que ça a très très bien skié chez les garçons, enfin chez tout le monde, et comme tu dis, une belle diversité et de l'originalité partout, ça c'est hyper important. Et dans ça replaque, ouais. Ça replaque, c'est pas du lançage de wow, on teste, on verra bien. C'est, ça replaque ouais. Vraiment, tu vois que bon, ok. C'est, mais surtout quand on a pris le trick, c'est deux jours, quoi. Ouais, c'est clair. C'était pas du 100% hein, quand je suis parti de réussite, mais ça l'a fait, donc je suis content. Mathilde. Et je reviens peut-être une question à Jules au niveau de la frisky, parce qu'on parlait des différences entre les filles et les garçons. Il y a des très très jeunes à la frisky, filles et garçons. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique pour les filles et pour les garçons? Non, pas du tout. Les filles sont avec les garçons, les groupes sont mixtes. Donc voilà, on essaye de les faire progresser ensemble. Et je pense que les garçons, ils tirent un peu, ils tirent aussi les filles vers le haut. Donc c'est important qu'ils soient ensemble et qu'ils ne soient pas séparés tout simplement. Complètement. Il n'y a qu'à voir le résultat du ski alpin français féminin. Tu vois, ils ne s'entraînent pas avec les garçons. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'ils s'inspirent. Il faudrait qu'ils réfléchissent un peu. Ouais, voilà. Faut qu'ils s'inspirent. Prendre exemple sur le freestyle et sur la frisky ici aux Arcs. Mathilde. Oui. Bientôt de nouvelles aventures. Comme chaque dimanche à 19h, on retrouve le spot. La semaine prochaine, on vous emmènera dans les Hautes-Alpes avec les guides de la Grave. On parlera ski de rando et surtout de sécurité, parce que qui dit ski de rando dit qu'on sort du domaine skiable, et du coup, sécurité avant tout. On a parlé tout à l'heure avec Marie, hein. Toi, tu éduques les plus jeunes justement à cette sécurité. Oui, mais autant sur les pistes qu'à côté en fait, parce qu'il y a aussi un boulot à faire sur les gens qui viennent en vacances, sur les enfants, qui sont des très bons prescripteurs sur les parents, donc c'est pas mal d'expliquer aux gamins comment réagir, quoi faire, et en plus ils sont contents de dire à leurs parents, est-ce que tu sais où est le numéro du service des pistes? C'est un accident, où est-ce qu'on appelle? Et alors ils sont contente de leur donner la réponse. Je vous laisse chercher du reste, si vous avez des réponses, hashtag on respecte le balisage ici aux Arcs, les touristes? On va dire ça dépend, mais dans la majorité, oui. Après, effectivement, ça dépend des âges ou des fois de la clientèle. Il peut y avoir une clientèle, des fois, à un moment donné, peut-être un peu un âge de l'adolescence, ou peut-être que voilà, on est un peu plus, on est plus peut-être dans sa bulle, on skie un peu tout seul, on fait moins attention aux autres. On a tendance, des fois, à traverser des cours de ski, des choses comme ça. Mais en majorité, il y a quand même voilà, un respect des uns des autres, mais après c'est un petit peu comme la route, en fonction de parfois de certains moments de la journée ou certains moments de fréquentation, où parfois il y a des personnes qui respectent un petit peu moins. Après, c'est vrai que c'est aussi un sport, on va dire, c'est aussi un loisir
de liberté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction. C'est plutôt par la prévention, en discutant, en essayant de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Mais c'est vrai que ça passe par beaucoup de discussions avec la clientèle, comme disait Marie. Et ici, sur ce snowpark, il y a différents types de bosses. À chacun son niveau, à chacun sa bosse. C'est vraiment balisé comme sur une piste vert, rouge et noir. Oui, tout à fait. C'est réglementé au niveau des tailles de modules pour les différents niveaux, de vert, bleu, jusqu'à rouge, jusqu'à noir également. Donc c'est vrai que ça permet de chacun de commencer petit à petit, puis en fonction de ce niveau, d'aller toujours un petit peu plus loin. Après, effectivement, il faut, avant de se lancer sur une bosse bleu ou rouge, il faut quand même déjà, faut pas y aller pour la première fois, quoi. Il faut quand même faire attention. Parce que c'est vrai que prendre un moniteur ou un coach, et puis aussi beaucoup observer les autres. Finalement, en observant les autres, on se rend compte de la vitesse qu'on peut prendre ou pas, du saut que ça représente. Hein. Je dis pas de bêtises, regarder les autres, c'est quand même pas mal. Hein. Très bien. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment mettre en garde, c'est qu'il faut vraiment faire des sauts qu'on est capable de faire et pas s'envoyer sur des sauts n'importe comment, avec pas assez d'expérience, etc. Parce que là, ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait rêver les gens, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites avant et ça, faut bien le prévenir. Ça a été étape par étape et on saute pas des sauts comme ça en étant débutant. Donc, Avec des patinettes. les fameuses patinettes où tu pars directement à Bourg-Saint-Maurice avec les patinettes. Abusez-vous et faites ça à votre niveau. Voilà. T'as encore des tricks sous le coude que tu vas nous proposer pendant l'hiver? Tu bosses dessus? Ouais, alors pendant l'hiver, il y en a plein d'autres qui sont en préparation et je les garde dans la poche. Bah, pas le dire. Non, ça j'ai bien compris. Je tentais ma chance. Mais après, on a beaucoup de compètes, honnêtement. Il va falloir enchaîner, il va falloir être bon mentalement, techniquement. Et là, pour l'instant, je me sens bien. J'ai vraiment hâte des X-Games parce que c'est un saut qui est encore plus gros que celui qu'on a aujourd'hui. Donc, ça va permettre d'autres possibilités également. En tout cas, félicitations pour ce titre champion de France. Contente, parce que des titres, t'en as, mais champion de France, ça fait quelque chose d'en rajouter sur le CV, sur le palmarès? Non, c'est un titre qui me tient vraiment à cœur. Honnêtement, je ne cachais pas, j'avais une petite pression aujourd'hui. Et c'est rare que j'arrive en tant que leader et c'est aussi différent à gérer. Donc, je suis hyper content. Et honnêtement, tu viens de me l'apprendre que je suis champion de France parce que tant que le dernier skieur n'est pas passé, je ne savais pas. Et vous m'avez invité sur le plateau juste avant, donc je suis hyper content. On va nous confier de l'oreillette, mais pour moi, tu es champion de France. C'est voilà. Patron. On a retrouvé le big boss, Xavier Trouba. Alors déjà, félicitations à tous les riders parce que c'est vrai que vous avez suivi en direct. C'est vraiment quand même impressionnant, les repères visuels et ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui avec les multigrammes. Donc moi je dis chapeau à vous, c'est grâce à vous qu'il y a un beau spectacle. Et puis on est vraiment super content et fier d'avoir pu vous accueillir ici. Et de voir que la relève après Julo qui commence à s'arrêter, la relève est là, donc ça fait vraiment plaisir. Le prochain événement dans ce style-là, ça y est, on signe pour l'année prochaine? Oui, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est content. Donc l'année prochaine, on fera encore un peu plus gros avec plus de ci, plus de ça. Faudrait choper Monsieur le maire tout de suite. Par contre, vous pouvez nous faire une déclaration devant caméra. Ok, l'année prochaine, on remet le budget. Oui. Après, c'est pas qu'une question de budget, c'est une question de rassembler des énergies et puis... de rassembler tout ce milieu avec toi aussi Marie, avec Laurent qui a fédéré son réseau. Et donc c'est tout ce monde qui se met autour de l'événement et c'est ça qui est sympa. Ça marche bien. Un grand merci. Bravo, à tous pour ce très très bel événement, toute l'organisation, tous les riders, tout le monde en fait. Et merci aux gens qui étaient dans leur canapé et qui ont regardé ça, qui font de l'audience, qui font que Trek sera content et dira ok, on va aussi revenir l'année prochaine. Voilà, et puis avec la Frisky, on s'entraîne à fond pour être présent peut-être sur le podium l'an prochain, quoi. Ben voilà. Là, il y avait un représentant arcadien. Ouais. Il a pas performé au niveau que vous auriez souhaité, mais ça marque quand même la Frisky est présente. C'est notre sixième saison. Aujourd'hui, on est sur les finales des meilleures compètes. En freeride, on est aux portes du World Tour. Donc on va continuer à partager cette passion et à être rigoureux dans l'entraînement pour aller le plus loin possible avec les jeunes. Et je voulais dire aussi qu'ils nous le rendent très bien. On leur partage notre vécu. Mais le retour est vraiment bénéfique pour nous et on apprend avec eux à les coacher. Donc c'est un vrai bonheur, tout ce milieu. Merci beaucoup, merci d'être venu sur ce plateau. On va bientôt avoir les podiums où tu vas devoir te rendre à un moment ou à un autre quand même pour les remises de prix. La médaille. Merci Antoine, bravo. Bravo aussi à Tess Le 2 pour son titre. Qui est venu nous voir tout à l'heure. Très gentil, très humble. Merci à tous nos invités. Merci Marie, merci Xavier, merci Jules. Très content de vous l'avoir présenté.
Mathilde, on va se retrouver très vite. Nous, on se retrouve très vite. Dans 3 semaines, dans 2 semaines, on retrouvera Antoine et Tess. On a fait un petit focus sur leur saison, sur les prochaines compétitions. Pardon. Et nous, on se retrouve dans 3 semaines. On parlera d'un sport totalement différent. La Spartan Race, ces courses à obstacles qui se font d'habitude dans l'eau, dans la boue. Là, ce sera dans la neige. Et ce sont là également de vrais athlètes pour les avoir déjà croisés à Morzine cet été. Où là, c'est du gros, gros trailer. Et en plus du trail, vous rajoutez les obstacles. Ça, on voit aussi. Hein. Oui. T'en de courir un petit peu, Antoine, de temps en temps, ou c'est pas ton truc? Alors, moi, je suis hyper mauvais à la course à pied, donc je vais pas t'aider. Vraiment pas. Mais lui, c'est une machine de guerre. Ouais, tu dis que la musculation, en c'est. En 2 jours, c'est comme le Trix. Ouais, il s'y met demain, et dans 2 jours, c'est bon, il s'inscrit à la Spartan Race. Et toi, Jules, cet hiver, t'as prévu de belles vidéos, de belles choses? Ouais, bah, on va essayer d'attaquer à filmer assez vite, si les conditions nous le permettent. Mais voilà, on va continuer à faire des images et à se faire plaisir. À faire rêver surtout. Voilà, merci à tous d'être venus nous voir sur ce plateau, sur Trek TV et sur la chaîne Trek, YouTube de Trek. Vraiment. Et demain, rediffusion, ce sera à 11h30 hein, si vous l'avez loupé. Donc dites-le autour de vous. Réagissez, on en parle avec Marie sur les réseaux. Dites que vous aimez voir du freestyle parce que ça fait plaisir et surtout, ça permettra de le promouvoir et d'en voir encore plus et de nous permettre d'être ici pour vous le commenter et de l'expliquer parce que je trouve que tu l'as très bien fait. Tu expliquais toutes ces figures, non mais qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Déjà de les comprendre, de les voir et de traduire. Il faut être un peu bilingue. Mais j'ai chopé 2-3 trucs, je suis pas mécontent. Merci à tous, merci Greg. Merci Mathilde. À très vite. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro du Spot. Dimanche prochain à 19h, on parlera donc ski de rando avec les guides de la Grave. À la semaine prochaine. Et apparemment, Mathilde, on va continuer un tout petit peu à rester ensemble. Si vous voulez vous libérer pour aller voir le podium, nous, on va rester. On va rester. Alors on vous laisse. Merci à tous. On va rester tous les deux, Mathilde et moi. Avec grand plaisir. Pour attendre ces résultats, je récupère mon stylo. Le stylo. Ouais. Viens, Mathilde, viens à mes côtés. Alors, je vais m'approcher. Je vais changer de micro. Oui. Non, je vais complètement changer de micro. Je t'offre celui-là avec nos petites fiches qui se sont envolées. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Comment ça s'est passé très bien. 2 heures de live. C'est très bien. C'est technique, certes, mais c'est tellement beau à voir et voir voir l'engagement de tous ces jeunes et d'entendre Antoine parler d'un saut qu'il a appris il y a 2 jours. Et ça paraît tellement simple, tellement fluide. Alors toi qui vis à la montagne, t'en vois tous les jours des riders, mais pour le grand public, c'est quelque chose quand même assez exceptionnel. Et savoir que c'est un sport à jugement, mais on n'a pas de figure imposée. Très spectaculaire, voilà. Très esthétique. On est à la croisée entre la performance sportive, bien évidemment, mais aussi une sorte d'art presque. C'est exactement ça, c'est artistique, c'est du freestyle, un style totalement libre. Ils se font plaisir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et les juges sont là pour essayer de départager, ce qui n'est pas toujours évident. On note l'ensemble, la réception, on l'a bien compris, est très importante. Il y en a certains qui atterrissent plus ou moins loin, mais c'est parce que vous atterrissez loin que vous atterrissez bien. Les prises d'élan sont extrêmement importantes. Également le take-off, comme disait Marie, qui vous lance, et parfois vous pouvez vous perdre en l'air, on l'a vu hein, parfois c'est pas ce que vous aviez prévu, donc il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais ça paraît tellement simple qu'il faut pas oublier la technicité et le travail qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a un moment que tu retiens particulièrement? Tess le 2. J'allais dire pareil, c'est pas très original, mais le sourire de Tess à la fin. Tess le 2 vraiment m'a beaucoup impressionné, et en plus la trouve très simple, très gentil. Elle prépare le bac. Ils sont tous jeunes, hein, tous en avait des le minimes. Le bac et le permis de conduire. Ah oui, la totale. Une grosse année. Ouais. Et certainement de nouveaux podiums. En tout cas, voilà. On avait. Tess, c'est marrant. On l'a rencontrée pour la première fois dans le Spot. C'était à Font-Romeu lorsqu'elle gagne sa première étape de Coupe du Monde. Donc, c'était il y a déjà quelques années. Et depuis, elle a fait un chemin incroyable avec de nouveaux podiums, de nouvelles médailles. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Et on a Romaric Crétier de la Plagne, 3e chez les minimes. J'essaie de suivre en même temps la remise des prix. Avec ces jeunes, ils ont 13-14 ans. Hein. C'est des tout petits, mais ils envoient des choses splendides. Avec Alexandre, Gumuchian qui s'est blessé tout à l'heure, on l'entend, il est parti à l'hôpital, rassurez-vous, plus peur que de mal, ça fait partie du métier. Et tous les copains riders qui l'a produit, c'est son coach qui est là. Voilà, très important j'imagine, pour surtout les jeunes, les coachs qui sont présents,
Ils ont 13, 14, 15 ans. C'est important d'avoir leur coach à leur côté, qui les accompagne, qui les soutienne. Et Alex qui prend la deuxième place, qui a représenté champion de France. Clément Naudin, champion de France 2020, ici aux Arcs, lui des Deux Alpes. Il monte sur le podium. Et c'est un garçon qu'on retrouvera très certainement sur des podiums nationaux et internationaux. Il est déjà parmi les jeunes sur les critériums. Il est très souvent présent dans le top 3. Et il gagne ici avec le soleil qui se couche. Un très très beau setup sur ce snowpark des Arcs. Une vue incroyable derrière les podiums de toute la vallée de Tarentaise. Très beau spectacle, partenariat Trek TV. C'est une exclusivité et une chance pour nous de pouvoir vous le faire vivre. Et les filles qui vont monter sur le podium. La championne de France cadette. Championne de France cadette. Jade Michaud, fille de Seb Michaud. Voilà, en famille. Championne de France cadette 2020. Allez, c'est Eric, le directeur de l'Office du tourisme de Bourg-Saint-Maurice-Lézard qui va lui remettre ses lots. La médaille, oui, de championne de France cadette, Thierry Schenauer du comité de Savoie. Et la Fédération française, et vice-président de la Fédération française. Ça en fait trop de titres pour Thierry, beaucoup plus que les résultats. Donc voilà, on est en Savoie. Championne de France cadette, et qui s'est salué par Eric Chevalier et le comité du Dauphiné. Val Thorens, Lou Barin qui prend la deuxième place, médaille d'argent pour Lou Barin. Je rappelle qu'il y avait quatre filles pour cette finale, hein. Jade Michaud, Lou Barin que l'on vient de voir, Tess Ledoux qui sera sur la première place du podium et Ivana Mermillo Blondin. Lou Barin qui monte sur le podium. Le Val Thorens, on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur les podiums. Un espoir, un autre espoir du freestyle féminin français. On la retrouvera, j'espère, et je n'en doute pas, sur les podiums de Coupe du Monde. En tout cas, bravo, bravo aux filles qui elles aussi montent très haut. Et comme on l'a pu voir avec Tess Ledeux, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, m'a beaucoup impressionné sur cette finale des championnats de France, ce Launchpad Les Arcs. J'espère que comme nous, vous avez pu apprécier ces belles images, ces belles performances. Et maintenant, ces remises de prix, c'est une histoire de famille. Hein. Ils se connaissent tous, ces riders. Bon, avec un parapente qui nous vous frôle. Tess, le 2, la championne de France. Junior, senior. Bravo à elle. Et bravo à toute l'équipe qui l'entraîne. Et bientôt dans le spot hein, pour parler de son... Bientôt dans le spot, on la retrouve donc dans de deux programme. Semaines pour parler de la suite de sa saison. Une saison comme Antoine, très chargée. Ils repartent donc, comme nous disait Antoine, dès demain à Font-Romeu pour une étape de Coupe du Monde. Et Tess suit donc les compétitions, la Coupe du Monde en slopestyle et en big air. Donc du coup, ça fait pas mal de dates, plus les X Games. Un beau programme, le bac, plus le permis de conduire. Voilà, elle monte sur la plus haute marche du podium, Tess. Un grand, grand bravo à elle et merci pour ce beau spectacle. Et pour les hommes, vous avez pu avoir la chance d'avoir Antoine Adlis avec nous il y a quelques minutes, que l'on salue. Champion de France 2020, parmi les 16 garçons, c'est lui qui nous a proposé le plus gros show, le plus beau spectacle. Et on va terminer cette émission spéciale, hein, ce spot particulier, ce live, mi-commentaire de course, mi-spot. Vraiment, j'ai été très très content de t'avoir avec moi, une fois de plus, ou que tu m'aies avec toi, car c'est toi la patronne ici. Merci Mathilde, c'était merci aux équipes plaisir. Qui sont derrière les caméras. Merci à toutes les équipes, et on se retrouve dimanche prochain, qui ont fait des belles images. Très très belles images. On se retrouve dimanche prochain dans le spot. À très bientôt et bonne année à tous. Bonne année à tous.